destroy this temple, Jesus said, and I will rebuild it in 3 days. Yes, he was showing none is greater than me when it comes to construct. Nous avons le privilège aujourd'hui d'être reçus dans le bureau du pasteur Jean-Papi Zakola. Le pasteur Jean-Papi Zakola, c'est lui qui a produit un concert de l'IFOK en 2006, le premier concert de l'IFOK en Afrique du Sud, qui a béni le monde. Et surtout, qui a produit aussi le concert de Sylvain Akwala en Afrique du Sud quand il est venu ici. Et le premier pasteur congolais à avoir construit un temple pour Dieu à Johannesburg, au centre de Johannesburg. Donc aujourd'hui, conviction que votre carrefour religieux qui apporte les réponses aux questions que vous vous posez. Nous allons aujourd'hui essayer de poser les questions au cher pasteur Jean-Papi Zakola et écouter ce qu'il va un peu penser, les réponses qu'il nous donneront. Sûrement, ça va vous aider et nous aider aussi. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Ouais. Et nous vous souhaitons bienvenue sur notre émission Conviction. Merci beaucoup, enchanté. Pour commencer, si vous pouvez vous présenter pour les internautes qui nous suivent. Ah, ok. Merci d'être venu dans mon bureau. Que Dieu vous bénisse au chemin. Amen, bénisse aussi. Pour ceux qui nous suivent, frères et sœurs, en Christ, dans le message, je suis le frère Jean-Papi Zakola Mombo. Je suis né le 23 septembre 1976 à Ingende, à l'Équateur, au Congo, DRC. Et je suis marié à la sœur Meda Mbombo Béa, la fille du fait pasteur Mbombo de Rigini, qui est déjà dans la gloire. Et Dieu nous a bénis, nous avons 3 enfants, père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Ma première fille s'appelle Claude, je lui ai donné le nom de la nuée du 28 février parce que je crois beaucoup de choses sur la nuée. Et ma deuxième fille, Claude a 9 ans, la première fille a 9 ans, et ma deuxième fille s'appelle Jiderdi Aleki Bolangi. Je lui ai donné le nom de ma belle-mère et Jiderdi parce qu'elle est née en 2006, et je crois sur le jubilé de la dernière Dynamo. Oh, c'est une bonne chose. Et mon troisième fils est le dernier, c'est Joseph, je lui ai donné le nom de Joseph Branham. Okay. Et il a maintenant 5 ans. Donc voilà un peu en ce qui concerne ma famille. Et je suis pasteur d'Amen Tabernacle de Johannesburg. Merci. Merci beaucoup, très cher pasteur. Comme vous venez de le remarquer, nous avons reçu le pasteur Jean-Papi Zakola et il est marié avec 3 enfants. Son dernier, il a dit, c'est Joseph Branham. Joseph aussi, la perfection, c'est vraiment une très bonne chose. Oh, cher pasteur, comment avez-vous cru le message de William Branham? Ah, ok. Moi, j'ai cru le message, la première fois qu'on m'a présenté le message de William Branham, le message du temps de la fin, j'avais 12 ans. Okay. C'était en 6e année des écoles primaires. C'était en 1988, je ne peux pas oublier ça. Alors, on nous avait amené la photo ici de la colonne de feu. C'était dans une école catholique, parce que mes parents, mon père et ma mère étaient des catholiques. Et c'est là où, depuis ces jours-là, j'avais cru que le message du temps de la fin est la vérité. J'ai reçu le message. Mais quand je voulais me faire baptiser, comme j'avais 12 ans, je n'étais pas encore majeur, mon père et ma mère m'ont interdit de ne pas le faire. Je pense qu'ils n'avaient pas voulu que je puisse le faire, tu vois. Et j'ai commencé, ils m'ont même interdit parce qu'ils étaient autour des prêtres, comme c'était une famille tellement catholique. Alors, mais j'ai commencé parfois quand j'ai le temps, je pars jusqu'à ce que quand à l'âge de 18 ans, quand j'avais 18 ans, c'est là où j'étais devenu majeur, quand je devais avoir mon diplôme, c'est là où j'ai crié et j'ai été baptisé. J'ai été baptisé par le révérend pasteur Mpochi Daniel Botele, en Ngombe, dans le fleuve Congo. Il m'a baptisé dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est depuis lors, c'est comme ça que j'ai cru le message. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à prêcher. Je suis devenu prédicateur du message jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai reçu le message du temps de la fin.
Ah ok, merci beaucoup très cher pasteur. Ça c'est vraiment une très bonne chose qu'on vient de remarquer. Parce que nous nous rappelons aussi Jésus-Christ dans la Bible, il était parti dans le temple pour commencer à 12 ans. Merci. Et vous avez reçu et la semence message est entrée dans votre cœur à 12 ans. Exactement. C'est vraiment une très bonne chose cher pasteur. Exactement. Exactement, tu vois ma vie c'est comme ça, beaucoup de chiffres marchent avec ma vie. C'est à 12 ans qu'on m'a présenté le message comme vous venez de le dire. Et chez ma mère, je suis le premier fils de la matrice de ma mère. La Bible dit que le premier fils de la matrice d'une femme sera consacré à l'Éternel. C'est pourquoi je suis prédicateur. Et dans la famille de mon père, comme il avait plusieurs époux, je suis le 11e de la famille. Je vois déjà là Joseph de la Bible qui avait la robe à cette couleur, qui avait reçu le message arc-en-ciel, tu vois. C'est comme ça. Donc ma vie marche avec tous ces nombres-là. C'est exactement merveilleux, comme vous très cher pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Oh, cher pasteur, vous êtes congolais d'origine. Mm-hmm. Mais maintenant, comment vous retrouvez en Afrique du Sud? Ah, comment je me retrouve en Afrique du Sud? C'est une longue histoire. Quand j'ai commencé à prêcher le message à l'âge de 20 ans, je me souviens, mes parents faisaient les démarches pour que je puisse aller aux États-Unis parce que mon père était un grand mouvancier là-bas à l'Équateur et l'un de nos grands frères aînés travaillait avec le maréchal de Mobutu comme son garde du corps. C'était le plus jeune de ses gardes du corps et mon père avait beaucoup d'influence. Alors, quand j'ai commencé un peu à prêcher le message, mes parents ne voulaient pas. J'ai combiné avec les études, ils ne voulaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, mon père avait reçu les missionnaires protestants, les Allemands, qui étaient venus dans son bureau à l'Équateur. Là-bas, il voulait des papiers parce qu'il voulait établir quelques églises là-bas. Et après, là, il était malade. Il était très malade. Il est parti à Kinshasa se soigner, ça n'a pas marché. Il voulait même aller en Suisse, ça n'a pas marché. Je l'ai vu dans sa chambre et je lui ai dit, je vais prier pour toi. Quand je prierai pour toi, tu croiras que Dieu a envoyé réellement un messager. Voilà. J'ai essayé de prier pour lui. J'ai utilisé la commission de l'ange que Dieu avait donnée à Frère Branham, que rien ne résistera à sa prière, ni même le cancer. Et le matin, il a été guéri. Quand il a été guéri, je ne peux pas oublier ça, il m'a fait un grand anniversaire. Et puis, il m'a donné la Bible. Il m'a remis cette Bible ici. Ce sont les protestants qui lui avaient donné cette Bible. Et il m'a remis ça, c'est pourquoi je le garde tout le temps. Il m'a dit que tu prêches le message. Et il m'a donné maintenant la permission de commencer à prêcher. Il ne pouvait plus me combattre ou bien m'interdire. Et c'est lui le premier qui avait fait un songe. Il dit que j'ai fait un songe, je t'ai vu. On m'a dit que tu prêcheras partout. Je t'ai vu même en Afrique, je suis en train de prêcher les Blancs, les Indiens, et tu prêchais les Noirs, et tu prêchais même les Métis. Je ne pensais pas, je ne croyais pas. Et jusqu'à ce que... On a continué. J'ai prêché en ces temps-là. J'ai travaillé avec le pasteur Mboula à Ingende. Le pasteur Mboula à l'église, il y a une prophétie qui est sortie que toi, tu iras prêcher un jour en Afrique du Sud à l'étranger. J'étais jeune pour moi. Je voulais aller étudier. Je ne pensais pas vraiment à ces choses-là. Je suis venu à Boteka. J'ai le pasteur Bombongo, un vieux que je travaille avec lui, appelle Z. La même prophétie est sortie. Et même en Bandaka, quand souvent le pasteur Mubonga m'appelait pour prêcher parce qu'il est du même village que ma mère, la même prophétie continue à dire que tu iras prêcher en Afrique du Sud. Je ne croyais pas vraiment à ça, j'étais jeune, je voulais pour moi aller étudier, continuer mes études, comme j'étais lauréat en biochimie de l'année 94. Alors, c'est juste en 1996, on est venu à la convention avec le pasteur Mboula, qui travaille avec moi, et Mubonga, et c'est là où pour la première fois il m'a introduit, j'ai vu les anciens, le pasteur Baruti, le pasteur Kalumbu, le pasteur Mbombo, mon beau-père. Il était malade, il venait de sortir de l'hôpital et on a parlé et nous sommes retournés et il y avait la dédicace de l'église de Mbandaka chez le pasteur Mubonga. C'est là où on s'est vu encore avec le pasteur Baruti et de là je viendrai en 97 quand il y avait toujours des prophéties là. Quand maintenant Fidel est entré, tu vois les changements de régime chez nous, ils ont ravi tout à mes parents avaient fui, mon grand frère même avait fui, il était parti au Maroc avec le maréchal Mobutu et puis il est revenu à Brazzaville et nous aussi papa avait fui, il était parti vers le Congo Brazzaville, on devait revenir en attendant que la situation se calme et je suis venu à Kinshasa maintenant pour Dibon. Quand je suis venu à Kinshasa, j'ai rencontré le prédicateur qu'on se connaissait beaucoup, c'était le pasteur Boa, parce que l'église que j'ai prêché à Boteka, à Pelz, c'était lui qui était le fondateur, c'est le pasteur Bombongo. C'est là où j'ai prié à Matete. Dieu m'a dit, va œuvrer à Rigini. Je suis parti à Rigini. Quand je suis arrivé là-bas, le pasteur Barou, tu m'as vu. Ah, il m'a présenté à l'église et il m'a engagé comme un ministre engagé à l'église. Il a payé pour moi une maison. Il louait pour moi une maison à Yolo, à Kingunda.
Et il me donnait $350 par mois. Il m'a dit, toi, les études, oublie ça. Tu es un bon prédicateur, tu travailles avec moi. C'est là où j'ai commencé à prêcher à Réguigny. L'autre fois, on a fait des voyages missionnaires avec le pasteur, en Bandaka ensemble, ainsi de suite. Les mêmes prophéties continuaient. Et après, à un certain moment, le pasteur avait les projets pour que je pars à Franceville. Je pars au Gabon, rejoindre le frère Mosengo qui était appelé là-bas par le frère Aromboyo au Gabon. Et puis, à partir de là, comme le pasteur Baoutou Mémé Bougain, tu peux aussi même aller en France. Parce qu'il y avait le frère Ndaye, à qui sa femme était vase, il venait d'aller à Paris. Il m'avait dit qu'à partir de là, tu peux aussi aller même œuvrer à Paris, ou quoi que ce soit, tu es mon fils. Alors, je prêchais beaucoup de choses à l'église, et j'avais découvert que beaucoup de choses que moi je croyais, il y avait un peu un problème de doctrine. Si tu demandes les gens de Réguigny, ils connaissent ça. Et tout le temps que je prêchais, un jour, je m'en souviens, la dernière fois que la prophétie est sortie, je prêchais sur... le pasteur était venu me voir à la maison, à Yolo, il m'a dit que non, tu peux prendre une série d'enseignements sur la nuit le 28 février, parce que c'était le 28 février 2001. Je ne peux pas oublier ça, un mercredi, vendredi et dimanche. Et quand j'ai prêché la première prédication le mercredi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je montrais comme Jean-Baptiste a présenté Jésus. Frère Banham aussi a présenté avec beaucoup de mystères là. Et après, j'ai prêché sur la venue de la pierre des fêtes. Et j'avais prêché encore sur le mystère de la translation. C'est là où la prophétie sortira par la sœur José Kitenge. Que tu vas aller en Afrique du Sud, tu prêcheras là-bas. Et juste en ce moment-là, il y a le frère Rachel Lusanga. C'est un aîné, c'est un ancien, le frère Rachel Lusanga que vous connaissez. Il était venu ici en Afrique du Sud, il a découvert le terrain. Après, il est rentré, il est revenu avec le pasteur Panzou, qui est maintenant à Cape Town. C'est quand ils sont revenus que le pasteur m'a dit que tu peux aller en Afrique du Sud et œuvrer là-bas, tu es mon fils. Bon, on a vu, à ce moment-là, je fréquentais déjà la fille du pasteur Mbombo, mais dans mon épouse. On était avec ma belle-mère dans la maison du pasteur Barouti. Il a accepté, il a dit que je te paye les billets, tu es mon fils. Tu pars œuvrer là-bas, tu es un garçon et tu es un ministère. Parce qu'il y avait déjà les problèmes de doctrine. La dernière fois que j'ai prêché, la gerbe agitée, ça a beaucoup bougé l'église. Et moi, je ne voulais pas sortir pour aller commencer notre église. Tu vois, je respectais beaucoup mon pasteur. Et c'est là où on m'a payé les billets. Je suis venu ici en Afrique du Sud. Je suis arrivé ici un certain le 14 août 2002. Et j'ai prié, le pasteur Panzou, qui était à Cape Town, on était avec lui. Et j'avais l'invitation du pasteur Joe Daniel, parce qu'il était ami du pasteur Mbombo. Quand on lui a dit que j'étais son beau-fils, il voulait que je prêche chez lui. J'ai prié. Quand j'ai prié, je n'avais pas d'argent. J'ai prié, Dieu m'a dit que non, tu commences l'église. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. J'ai continué à prier. Dieu a touché le cœur de maman Monsé, le frère Monsé Kenzi qui est de Ghana, qui est aussi mon parrain du mariage. C'était un bon frère à moi, un bon vieil à moi. Alors, le peu d'argent qu'il avait, il m'a remis l'argent, tout ce qu'il avait entre ses mains. Et on était avec un autre frère, la Fisto Ingese, François. Et c'est là qu'on a dû subir beaucoup des invitations. Et le 25 août 2002, j'ai commencé l'église Amen Tabernacle à Yeovil, dans les post-office. C'est là où tout est parti. Et je me retrouve en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est par Dieu que je suis venu ici. Et jusqu'alors, je suis toujours là en Afrique du Sud. Voilà un peu comment je me retrouve ici en Afrique du Sud, bien-aimé. Ok, merci très cher pasteur. Quand nous essayons de comprendre, nous essayons de voir, vous êtes un pasteur et un lauréat aussi. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez mieux manipuler ce message. Ouais. Donc, c'est pas. Ça, c'était pour les études, mais ici, c'est pour la parole. Frère Banham était imprimé, rien, ça n'a rien à faire. Mais Dieu peut-être nous utilise de cette manière-là. Ouais, il voulait exploiter un peu ça. Nous venons de comprendre aussi, vous vous retrouverez en Afrique du Sud par la volonté de Dieu. Je suis venu ici vraiment par la volonté parfaite de Dieu. Et depuis lors, je suis venu le 14, le 25, j'ai commencé l'église jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas venu comme les autres qui viennent, ils voulaient aller en Europe ou ils se retrouvent ici par hasard. Non, ce n'est pas ça mon cas. Ok, merci. Et très cher pasteur. Oui, bien-aimé. Vous êtes l'un des pasteurs congolais à construire un temple pour Dieu à l'étranger. Ouais. Pouvons-nous savoir comment vous êtes arrivé? Ok, le temple est ici. C'est vrai, c'est rare. C'est rare. Quand je suis arrivé... Et après, le pasteur Beckett, mon épouse, est arrivé. Le pasteur Beckett est venu bénir mon mariage et il a ordonné mon ministère. Et après, il m'a dit que quand le travail que tu fais ici, il faut bien évoluer. Il m'a invité chez lui à Cape Town pour prendre une série d'enseignements. Je suis parti là-bas, j'ai passé de très bons moments dans son église. J'ai prêché tout le temps chez lui. Il m'a invité pour aller prêcher. Et de là, j'ai lu une citation. Frère Banham, quand il est arrivé ici, il est arrivé ici en 51, il avait dit que j'ai pris Seigneur partout où j'ai été, que Dieu envoie des prédicateurs pour établir les églises. Ça m'a vraiment oint et j'ai commencé à avoir le désir de construire l'église. J'ai cherché la volonté, j'ai prié. Dieu m'a dit, j'ai vu une vision. J'ai prié dans la maison de Frère Toby Kayoum, j'oublierai jamais ça.
3 jours de jeûne. Et j'ai vu une vision. Cette église ici que tu construiras, l'église. J'ai annoncé ça à l'église. On a commencé les cotisations. C'était des jeunes gens, voyez-vous. Et je faisais quelques affaires en Angola avec un petit montant d'argent. J'ai rassemblé l'argent. On a eu cet argent-là. Et quand on voulait acheter une parcelle à Yoville, nous, on ne connaissait pas les lois sud-africaines. C'est là où M. Kalombo Daniel, qui était un trésorier de Shekina au début, il est venu rejoindre l'église. Il est devenu membre. Et puis, il va nous dire que non, on cherche un endroit espacé, quoi. Là où la municipalité va accepter que ça soit l'église. C'est là où on va retrouver cet endroit ici, avec lui et Toby Kayumbi. Lui, Daniel Kalombo et Toby Kayumbi. Et on a pris l'argent, on a donné les déposites. Comme on, lui, il avait des papiers, moi, j'avais pas de papiers sud-africains. C'est là où il va rester ici. On attendait que nous, on continue les cotisations. On a continué les cotisations. Et en ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai prêché sur la dernière dynamo, sur le réveil du Sud, le réveil des Young People. Et tous ces jours-là, ça a ouin les gens. Les gens ont cotisé l'argent avec beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et le 25 août 2008, voyez-vous, alors c'est là où on a mis la pierre angulaire. Avant que je parte à la convention de Mbujimayi, le pasteur Kouete Macheke était là. On a mis la pierre angulaire, il y avait des fanfares ici. On a fait une cérémonie selon le message. Et la construction a commencé. Et miraculeusement, on a eu à peu près $1 million. Tu vois, les gens cotisaient et on a construit cette église ici. Des pasteurs priaient pour moi, mais ils n'ont pas donné l'argent. Ils ne m'ont pas soutenu financièrement. Et c'est là où on a conçu. Et puis, on a dédicacé ça le 6 avril. Parce que notre projet, but, était de dédicacer ça le 6 avril pour les centenaires du prophète. Parce que j'avais prêché sur ce qui arrive après 100 ans. Tu vois. Et puis, alors, c'est là où j'ai écrit à Frère Joseph. C'est surtout Frère, les enfants de Frère Branham. J'ai écrit à Frère Joseph, je lui ai dit mon projet, il m'a encouragé, il m'a répondu. C'est là où Frère Billy Paul, un jour, va appeler dans ma maison quand j'habitais à Yoville. Billy Paul a appelé pour encourager les gens à donner l'argent et les cotisations. Quand Billy Paul a appelé, les gens ont cotisé l'argent, des grands sacrifices. Et puis Frère Joseph, juste il m'a envoyé une lettre pour me dire que voilà, comme c'est le centenaire de Frère Branham, j'ai même la Bible là ici. Comme c'est le centenaire de Frère Branham, c'est un frère qui vient de m'offrir ça. Lui voulait pour cela présenter la nouvelle édition de Scofield. Tu vois, parce qu'ils avaient l'édition de 1909, ils voulaient dédier ça à Frère Branham, à William Branham. Il dit que vous dédicacez l'église le 6 avril, c'est cette Bible ici. C'est même un frère qui vient de me l'offrir. Quand j'ai prêché il n'y a pas une semaine sur Mandela à la prophétie, le frère ici m'a acheté ça. Alors, c'est là où il m'a encouragé. Et le 6 avril, nous, on a dédicacé l'église. Tous les anciens étaient ici. Les yeux du monde entier étaient ici. Et lui a présenté la Bible ici pour les centenaires de Frère Branham la semaine qui venait. C'est comme ça qu'on a construit cette grande église ici. Et on a fait ça pour Dieu. Voilà un peu l'histoire, l'historique de la construction de l'église. Oui, merci beaucoup, cher pasteur. Ouais. Et là, nous essayons de voir, nous comprenons que même la construction du temple, c'est toujours sur la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, parce qu'un un homme comme moi, j'étais le plus jeune, j'étais trop jeune du groupe qui était venu. Il demande le frère acheter. J'étais le plus jeune, le plus petit. Mais par la grâce de Dieu, on a fait ce que les autres peut-être n'ont pas fait. Et ce n'est pas que nous sommes quelque chose, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est même ici, c'est Beckett. Frère Branham, quand il est venu ici, les banlieues là n'existaient pas. C'est même la première église construite au centre de Johannesburg. Les églises de Johannesburg, tu vois, vous trouvez le pasteur Joe Daniel à Randfontein, le pasteur Willy Retief qui était avec Frère Branham à Boksburg, ce sont les banlieues. Mais Johannesburg, comme quand Frère Branham était venu, il avait dit que j'ai pris que les églises s'établissent. Ça, c'est la première église établie ici, à Johannesburg. Alors là, nous voyons aussi, c'est un privilège, cher pasteur, d'être une prophétie manifestée. C'est exactement. Nous sommes la réponse à la prophétie du prophète. Nous sommes très heureux, cher pasteur. Merci beaucoup. Ok, la construction du temple était source de beaucoup d'ennui. Oui. Et maintenant, cher pasteur, quelles leçons avez-vous tirées de cette période trouble? Ah, la construction de ce temple ici, c'est vrai. Ça a été source de beaucoup d'ennui, de convoitises et ainsi de suite. Bon, après la dédicace, tu vois, tous les anciens étaient ici. Ils donnaient des éloges, ils ont même fait des calculs sur mon nom. Les autres, les acolytes avaient dit ceci. Ça, c'est notre enfant, c'est le meilleur. Même les jeunes, ils se faisaient mes disciples. Ça, c'est notre leader. Maintenant, on va respecter les jeunes. Il y a des bandes. Ça, s'il nous a honorés, ça, c'est notre leader et beaucoup de choses. Alors, il y avait beaucoup de convoitises sur le bâtiment. Et dans l'expérience que j'ai passée, j'ai tiré d'abord une première leçon qui me concerne moi-même, personnelle.
qu'en tant que prédicateur, enseignant de l'évangile, je ne devais pas seulement enseigner de grandes choses ou prêcher, je devais vivre ce que je prêche. Parce que Frère Branham dit, j'aime Neville parce que Neville vit ce qu'il prêche. Et Frère Branham dit que une vie sanctifiée, c'est un tonnerre pour le diable. Je devais mener une vie sanctifiée. Ça, c'est une leçon personnelle, mon frère, que j'ai tirée. Ça n'a rien à faire avec les frères. Je me condamne moi-même et j'ai tiré cette leçon-là. Voyez-vous? Et la deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que ma vie et la vie spirituelle, c'est comme la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y avait la naissance, il y avait le temps où il a manifesté un grand ministère, il y a le temps où il était mort, il a été crucifié, enseveli, tout ça, il a eu le temps où il était ressuscité, il y a eu aussi le temps où il était enlevé. Je crois que ma vie est passée par là, avant, même si c'était douloureux, mais maintenant, je peux voir que c'est normal. Il y a un temps où moi, je suis né dans ce message, j'écris le message, c'est ma naissance spirituelle. Il y a un temps où j'ai manifesté un grand ministère qui avait balayé le monde, qui avait influencé beaucoup de gens dans le monde, par la grâce de Dieu. Il y a un temps où j'étais mort en 2009, j'étais crucifié. C'était la mort totale, tu vois. Et j'étais informé, mon frère, que j'avais 33 ans. Justement, 33 ans. J'ai conçu l'église. Parce que l'âge de 33 ans, c'est l'âge des grandes victoires, c'est aussi l'âge de la mort. C'est pourquoi vous voyez, Alexandre le Grand a fait de grandes conquêtes à 33 ans, il est mort. Napoléon, la même chose, à 33 ans. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est à 33 ans qu'il a fait la plus grande. On l'a crucifié, mais c'était une grande victoire. Voilà. Je crois que ça marche avec ma vie, parce qu'à 30 ans, j'ai été, oui, en 2006. C'était l'année où mon ministère avait pris beaucoup d'impact dans le monde entier. Et c'est à 33 ans que j'ai fait la plus grande victoire. Voyez-vous? Et c'est à 33 ans que j'ai été crucifié. Je trouve ça normal aujourd'hui. Et je suis passé par la mort. On m'a enseveli. On m'a tué. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. Enterré. Et c'était fini. Voyez-vous? Mais maintenant, ici, je suis dans la résurrection, qui est la restauration. Tu me trouves là, la résurrection, la restauration, c'est l'étape que nous sommes maintenant. Et dans peu de temps ici, avec les événements qui arrivent, bientôt, c'est l'enlèvement et je me prépare pour l'enlèvement et pour être avec le Seigneur. Ça, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée. J'ai tiré aussi une autre leçon, c'est que dans le message, il y a beaucoup de jaloux. Les gens sont jaloux, les frères et même les anciens, certains anciens et les frères, ils ne sont pas d'accord quand Dieu bénit quelqu'un. Quand Dieu te bénit, ils sont autour de toi, ils viennent. Ah, pasteur, même les jeunes, anciens, tout ça, ils te considèrent, toi, notre héros. Mais quand tu passes une petite difficulté, ils te détruisent pour récupérer tout. J'ai tiré la leçon qu'il y a beaucoup de jaloux dans le message, qu'ils jalousent quand Dieu bénit quelqu'un. Il y a même des frères que je supportais, que je payais leurs églises. Mais quand j'ai eu des problèmes, c'est eux-mêmes qui étaient venus, ils ont fermé cet endroit. Ils s'étaient assis ici, dans ces bureaux ici, que lui aussi veut devenir pasteur. Il convoitait le bâtiment. Il y a même un ancien qui était venu avec une centaine de milliards pour venir acheter une église, l'église ici. Il y a même un ancien, j'étais étonné, qui pouvait me dire à moi, alors qu'il m'aimait beaucoup, on était bien, je l'ai honoré ici. Il m'a dit que non, quand il voulait acheter cet endroit ici, les frères ont dit que non, mais ça c'est sale. Les pasteurs sud-africains même ont dit que non, c'est sale. Nous comprenons que c'est la convoiture du bâtiment. Et il me dira que non. Est-ce que les biens que moi j'ai au Congo, toi tu as ça? Mais ce n'est pas un problème des biens, c'est un problème. Dieu place chacun à sa place. Dieu donne la grâce à chacun de nous. Donc c'est la leçon que j'ai tirée. Il y a plusieurs gens qui sont des jaloux et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont là. J'ai tiré beaucoup de leçons. Et j'ai la dernière leçon que j'ai tirée, c'est que dans la vie, le meilleur ami, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est le meilleur ami. Il restera avec toi dans la gloire, même dans ta faiblesse, avec toi. C'est le meilleur ami. C'est ça. Donc, il faut s'accrocher à Jésus-Christ, pas aux hommes ou aux amitiés ou quoi que ce soit. C'est la grande leçon que j'ai tirée. Il y a plusieurs leçons que j'ai tirées, bien aimés frères. Comme le cher pasteur vient de nous dire, la première leçon qu'il a pu tirer, c'est la vie vécue, la vie zoé de la parole que vous essayez de suivre. Et alors là, essayez de vous y accrocher. Ouais, non, exactement comme vous venez de dire, frère. Parce que, vous savez, c'est ça la grande leçon qu'on a tirée là-dessus, dans cette période-là difficile. Et nous voulons, comme Frère Branham le dit dans la prédication, divinité expliquée. Il dit que j'ai commis des erreurs, beaucoup d'erreurs que j'ai même honte de ça dans ma vie. Mais quand mon témoignage sera écrit, on dirait qu'il n'a jamais commis d'erreur. Il dit ça même dans le message de grâce, il dit la même chose. Il prend ça. Abraham avait douté, il avait commis ses erreurs. Mais quand Paul est venu écrire son témoignage divin, il a dit Abraham n'avait pas commis d'erreur. Que nos erreurs à nous puissent servir de tremplin
pour les autres de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises. Parce que j'ai aussi compris là que nos vies, comme Frère Banham dit, tu sais, Frère Banham dit, tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlaient de cette terre, de cet âge de l'épouse. Voyez-vous? Et nos vies ont été cachées dans l'histoire des gens de l'Ancien Testament d'une manière ou d'une autre. Tu vois, moi j'ai compris que ma vie était cachée dans la vie de David. Et je suis passé là comme David, chassé, donc humilié par des gens, même tes enfants, comme Absalom. Ainsi, je suis passé par là. On t'a chassé de ton propre royaume. J'étais en dehors de cette église, tu vois. Et mais Dieu nous a ramenés ici. J'ai compris que ma vie était cachée dans la vie de Samson, tu vois. Et ainsi, donc, c'est comme ça. Comme le frère Banham dit dans l'exposé, que ces messagers, ils peuvent avoir, la plupart de mes frères Banham a exposé, que leur marche n'était pas, c'est à qui leur marche était plus sanctifié, n'était pas trop comme Joseph et les autres, mais c'est, beaucoup avaient commis les erreurs. Il dit que même s'ils avaient commis les erreurs, mais néanmoins, ils restaient des messagers de Dieu. Mais que les erreurs là puissent servir de tremplin pour les générations futures. Frère Banham, quand il a écrit à Lival, la lettre sonnée, il a dit, Lival, si le peuple ne peut pas voir Dieu au temps présent, il n'y a pas d'espoir pour l'Église. Et Frère Banham nous a dit que l'homme loue Dieu de ce que Dieu a fait. Il remercie Dieu ce que Dieu fera dans le futur, mais il ne voit pas ce que Dieu fait au temps présent. C'est-à-dire, les gens peuvent louer Dieu pour David, pour Samson, tu vois, ils avaient commis des erreurs graves, tu comprends, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas les régner, que ce sont des grands hommes de Dieu, tu vois, mais l'homme voit les futurs, mais il ne voit pas ce que Dieu fait au temps présent. Ça, c'est vraiment ouais, mais c'est les vrais enfants de Dieu verront ça, parce qu'un héros ne meurt jamais. Oui, ça c'est vrai, amen. Ouais. Ce que je peux vous dire, pasteur, ouais, on dit toujours, à quelque malheur est bon. Ouais. Donc, n'essayez pas de vous trop troubler. Sur non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai compris que Dieu voulait m'arracher de certains groupes que j'étais entré. Parce que tu vois, quand même dans la Bible, Akab était un homme maudit parce qu'il s'opposait à Élie dans la continuité. À Élie, voyez-vous. Et quand même un roi honnête comme Josaphat voulait s'assembler, Dieu a cassé plutôt Josaphat. C'est-à-dire, Dieu voulait m'arracher, Dieu voulait m'enseigner beaucoup de choses. Et si tu lis l'application discernement des esprits, Frère Banham, allez lire, ça, Frère Banham dit que David, quand il avait commis ses péchés, Dieu l'a puni. Et il sortait un estropié, commençait à cracher sur David. Franham dit là, il dit que non. David, Dieu l'avait dévoilé, son mal, parce qu'il avait l'esprit de Christ. Il était un enfant de Dieu. Il dit que les autres peuvent avoir leur mal. Dieu ne peut jamais faire quelque chose là-dessus, parce que Dieu n'a pas besoin d'eux. Dieu ne châtie que ses propres enfants. Amen. Amen. Voilà. Je le crois aussi. Merci bien aimé. Ok, à quelques malheurs est bon, dit-on. Et de cette douleur, beaucoup de ministres sont sortis, sont nés de votre pastorat. Ouais. Comment est la coopération avec ces enfants qui sont sortis de votre ministère? Ok, à Johannesburg, ici par exemple, je commence par ici. Mon ministère a influencé beaucoup de gens dans le monde entier, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il ne peut pas, par la grâce de Dieu. Même à l'Équateur, chez nous, il y a des centaines de prédicateurs qui sont influencés, qui peuvent me mettre au monde. Ils croient que je suis leur ancien et mon ministère les a influencés. Ils croient en moi comme leur ancien. Même ici, ceux qui sont sortis de mon ministère, ils ont leurs églises maintenant ici. On coopère bien. Ils viennent me voir ici au bureau, même chez moi à la maison, dans ma résidence. Ils posent des questions. Ils croient que je suis leur ancien. À part peut-être deux d'entrée, il ne manque pas des exceptions. Ils sont libres. Parce que l'autre n'était pas prédicateur parmi nous. Tu vois, il a choisi son chemin pour m'insulter, quoi que ce soit. Ça, c'est son problème avec Dieu. Et il y a un autre là qui a choisi de travailler avec le pasteur de Shekinah. Et il a choisi comme son ancien, mais tous les autres là me suivent, ils viennent, ils demandent des questions. Et je suis heureux maintenant, on est devenus des collègues. Et ils sont là à Pretoria, par-ci, par-là, même ici, ils croient en moi, ils me consultent. Même pendant que nous parlons ici, tu vois, le frère qui est venu avec moi ici maintenant, qui est venu avec moi, c'est un pasteur, le pasteur David, qui est même ici assis. C'est un pasteur, il a cru le message en 1974. Les messages là, en ce moment-là, les messages n'étaient même pas encore chez nous au Congo, en 74. C'est un colonel de l'armée, comme vous le voyez là. C'est un grand homme dans ce pays-ci. Et c'est même, pour vous informer, c'est même lui, certains frères étaient partis les voir pour lui donner l'argent, ainsi de suite, m'acquiser, pour qu'on puisse même... il y avait des frères, tu vois, qui étaient partis les voir. Tu vois là, et même là, le pasteur Moubia avait intervenu parce qu'en ce moment-là, il se connaissait avec le pasteur Moubia, il a dit que ne fais pas ça. Tu vois, et puis quand il a vérifié, il y avait trop de mensonges, trop de choses qui n'étaient pas vraies, qu'ils ont répandues dans le monde entier. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. Après qu'il a compris ça de lui-même, tu vois, lui-même, maintenant, on est ensemble, on travaille avec lui. Il m'a même échoué. Il peut avoir l'âge de mon père. Il a cru, moi, je n'étais pas encore né. Mais aujourd'hui, il croit en moi. Il est là à côté de moi, il travaille avec moi,
Il est ici. Il a même accepté parfois de prendre tout ce, de venir ici à l'église. C'est un grand homme de Dieu, tu vois. Donc les gens, ceux qui sont sortis de mon ministère, on est en bonne coopération. Tu vois un grand homme de Dieu comme ça. Qui peut, c'est après ces épreuves là. C'est-à-dire Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Ah ouais, bien aimé. Donc on est en coopération avec à part deux, mais tous les autres là, on est très bien avec eux. Ils me consultent. Nous voulons qu'ils puissent grandir et parce que il y a pas les succès sans successeur, ça n'a pas de sens. Jésus nous a dit de faire des disciples et puis que le message puisse aller de l'avant. Amen. Ça c'est vraiment une très bonne chose de savoir que vous êtes réellement en bonne coopération avec ceux qui sont sortis. De à part deux, peut-être il ne manque pas des exceptions. Il ne manque pas des exceptions. Ouais. Ok, cher pasteur. Oui, bien aimé. À suivre vos sermons. Ouais. On croit suivre le docteur Liz Ngalibali. Ah bon, ok. Maintenant, est-il votre maître ou votre modèle? Ok, moi, le pasteur Liz Ngalibali n'est pas mon modèle, il n'est pas mon maître. Mon modèle et mon maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, dans ses talents, est manifesté par William Branham. C'est lui mon modèle. C'est pourquoi même au bureau ici, vous avez vu, j'ai mis les photos là. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur et rédempteur. Ouais. Et après lui, c'est William Branham, notre modèle. Et moi, je dois suivre frère Branham. Tu comprends un peu ça. Donc, mon modèle, ce n'est pas le pasteur Liz. Mais je sais une chose. D'abord, d'autres personnes disent que mon modèle, c'est le pasteur Coleman. Mais celui qui a vraiment influencé mon ministère, c'est le pasteur Coleman. Parce que j'ai beaucoup œuvré à Réguigny, et en ces temps-là même à l'Équateur, les bandes, quand le pasteur Barouti partait dans les conventions de New York, il nous amenait les bandes de la convention, et ça m'a beaucoup influencé, même mon style. Lys a un autre style, il prêche. Là, moi, j'ai le style un peu chaud. Le style, c'est différent d'abord. Et je peux vous dire une chose, par exemple, pas seulement le pasteur Coleman. Il y a par exemple, en 2000, à l'an 2000, j'étais jeune prédicateur à Réguigny, j'avais reçu l'invitation de la convention de Shekinah. La première fois que j'ai écouté le pasteur Kayumi prêcher sur la souveraineté de l'église locale, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé mon ministère. Et le pasteur Vindayal aussi a influencé mon ministère. C'est l'année-là que je l'avais entendu prêcher sur pourquoi il fallait que ce soit les bergers, que les sortes de ministères, les autres n'ont pas vu l'étoile, les autres ont vu l'étoile, les autres ont suivi l'étoile, les autres ministères sont arrivés à Jérusalem, ils sont entrés dans la dénomination, l'étoile a disparu, tu vois. Il dit que mais les autres vont aller jusque là où la parole est née. Là où la parole est née, c'est sale, c'était dans une étable, mais c'est là où les mages ont fait sortir les dons. Il démontrait que le vrai ministère, il faut que tu puisses voir l'étoile de ton âge, le suivre, de ne pas entrer dans la dénomination et aller. Le ministère, le vrai ministère commence dans Proverbes chapitre 10, quand la parole est née. Tu vois un peu ça. Il a beaucoup influencé mon ministère. Mais néanmoins, quand je suis arrivé ici, le pasteur Liz avait entendu parler de moi depuis Kinshasa par le diacre Richard Lokai, quand il était à Brazzaville, qui est un jeune garçon qui prêche très bien là. Quand je suis venu ici, il m'a bien réussi. Et c'est un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, mon frère, surtout pour son esprit. Et d'une manière ou d'une autre, lui aussi a contribué à influencer aussi mon ministère. C'est un ancien, et c'est un ancien que j'ai trouvé très honnête. Très honnête. Je sais que les gens n'aiment pas jeter des fleurs à quelqu'un pendant qu'il est vivant. Lys, c'est un homme qui a un bon esprit. Et on partageait beaucoup la parole. Lys m'a beaucoup aimé. Même dans ma situation, quand j'ai passé par la mort, le seul qui était resté avec moi, il venait même me payer mes factures à la maison. Et par rapport à ça, on partageait beaucoup la parole avec lui. Lys aussi a contribué parmi les gens, les anciens, qui ont aussi influencé mon ministère. Lys est là. Et c'est comme ça. C'est le ministère des disciples là. Jésus nous a dit d'aller faire des disciples, tu vois. Et c'est très bon. C'est très bon. Lys, c'est un grand homme de Dieu que moi, personnellement, je respecte beaucoup. Son esprit et sa manière, voyez-vous. Mais je sais que d'autres disent que c'est frère Coleman qui a influencé mon ministère. D'autres disent ceci. D'autres, bon, chacun peut dire ce qu'il peut dire là-dessus. Mais Lys, moi, j'accepte que Lys, c'est un grand homme de Dieu. C'est un aîné qui a aussi contribué à influencer aussi mon ministère. Surtout à Johannesburg ici. Pasteur, vous avez donné récemment un enseignement sur la trace du serpent. Ouais. Ce titre nous rappelle un titre promis par le prophète Branham, mais qu'il n'avait plus enseigné. Exactement. Ok, maintenant, notre problème est, alors comment avez-vous pu trouver quoi dire sur cela? Et quel était votre message véhiculé dans cet enseignement dans peu de mots? Ah bon, comment j'ai pu trouver ça? Tu vois, dans cet enseignement-là, frère Branham avait promis, dès qu'il quitte Tucson, les 18, pour venir prêcher sur la trace du serpent. Je pense qu'il n'y a pas de jour, on a parlé de ça à l'église, sur l'accident de frère Branham, en passant, tu vois un peu là, et il a fait l'accident.
Regardez que frère Branham avait déjà jeté les semences de cet enseignement-là dans plusieurs prédications. Tu vois? Parce que Salomon, l'homme le plus sage, avait dit, il y a trois choses, même quatre, qui est au-dessus de ma portée. Proverbe 30. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace d'un homme sur la jeune femme, la trace d'un navire sur la mer, et la trace du serpent sur le rocher. Mais le ministère de la pierre défaite a révélé la trace du serpent sur le rocher. Donc je voulais montrer là-dessus. J'ai enseigné, j'ai montré comment. Voyez-vous, c'était pour montrer comment des gens sont religieux, mais ils n'ont pas Christ. Être religieux est différent d'être un chrétien. Voyez-vous, la chrétienté contre la christologie. Vous comprenez? Donc j'ai montré depuis le ciel. Voyez-vous, parce que c'était le volume du rouleau qu'on voulait montrer là. On voulait montrer ça dans le volume du rouleau. Parce que j'ai enseigné sur le mystère de la semence du serpent. On a fini. On a enseigné sur les sept phases de la semence du serpent. Tu vois, la semence du serpent a sept phases qui changent. Et après, on a enseigné sur les caractéristiques entre les deux semences. Et après, on va enseigner sur la trace du serpent. Parce que c'est difficile. Même Salomon trouvait ça difficile. Mais le ministère de William Branham, de la pierre des fêtes, nous révèle ça. Ça dit que ce n'est pas facile. Donc, j'ai démontré depuis les ciels, Michael contre Lucifer, comment il a été précipité. Dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, qui était le premier sceau, il a séduit Ève par la ruse, mais Adam était un enfant de Dieu. Vous comprenez un peu? Et j'ai démontré ça avec le deuxième sceau, Caïn, l'enfant du serpent ancien. Le serpent ancien était venu dire à Ève qu'il est plus ancien, il a séduit. 99% c'était vrai, mais pourcentage, tu vois, 99% de ce qu'il disait était vrai. C'était la séduction, le premier sceau, le cheval blanc. Et son fils, Caïn, qu'est-ce que Caïn fait? La tuerie, le deuxième sceau. Tuer, amener la paix. Tu vois, les enfants qui sont nés de tels ministères, ils sont des gens qui tuent les gens. Ils tuent, ils détruisent. Tu vois, et frère Branham a continué avec ça. J'ai montré ça au temps de Noé, les gens du pays de Nord avec les Noé. Abraham, jusqu'à ce que on a pris ça avec Ismaël, on a suivi ça jusqu'à Esaou, avec Pharaon, Balaam, qui voulait maudire Israël quand il voit les faiblesses. C'est ça? C'est ça sa trace. Jusqu'à Nimrod, troisième sceau, c'est un problème de l'argent. Faire un grand royaume, avoir des succursales partout, voyez-vous? Et on a continué son apogée jusqu'à Juda. Un dans le message. Regardez. Pierre avait beaucoup de erreurs. Jésus les blâmait toujours. Juda était l'homme le plus saint. Mais c'était lui, la semence du serpent. Les gens pensaient que c'était Pierre, mais c'était lui. Voyez-vous? Parce qu'il se cache. Voyez-vous? Et j'ai pris ça encore après la Pentecôte, avec les vrais apôtres et les faux apôtres, avec au cours des âges, dans les sept âges de l'Église, l'Antichrist et Christ. Parce que dans les sept âges, c'est quatre sceaux, non? Voyez-vous, les sept sont divisés en quatre sceaux. Comment Dieu combattait ça? Quand il s'élevait, Dieu a pris une onction du lion, du veau, l'onction de l'homme, l'onction de l'aigle, les apôtres, l'onction apostolique, l'onction de l'âge de sacrifices, voyez-vous, au temps où on tuait les chrétiens, et l'onction de l'homme, la réformation, les réformateurs, et l'onction de l'aigle. Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est le serpent qui mange, ça, c'est Christ. Et au temps de la fin, ici, nous voyons, révèle maintenant toute sa trace. Dieu révèle ça. C'est ce que je voulais montrer, que la finalité de la semence du serpent, il est dans le message. Il est dans le message, il peut être un ancien, il peut être ceci. Il mène une vie sanctifiée que vous n'avez même rien à lui reprocher. C'est comme ça. Frère Branham, regarde comment il fait. Il est religieux. Mais il ne peut pas croire toute la parole. Il combat les vrais enfants de Dieu. Il tue l'influence des autres. Il détruit tout. C'est ça, lui, la semence. C'est ce que je voulais. Mon message, je voulais véhiculer dans ça. Quel message? Je voulais véhiculer dans ça que les gens comprennent. Ne regardons pas l'Antichrist ou le semen du serpent chez les pentecôtistes ou chez les catholiques. Regarde sa finalité, son apogée, c'est dans les messages. Il faut savoir comment les détecter. Comment les détecter, ce n'est pas facile. Il faut le ministère de la pierre des fêtes pour les détecter. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas pris une chose par moi-même, comme tu poses la question. Frère Branham voulait enseigner ça, mais il avait déjà jeté des semences de ça partout. Partout. Lisez ça, vous allez voir que Frère Branham avait jeté les semences de cette trace-là, comment il marche. Oh, merci beaucoup, parce que Salomon a dit que c'est... Et c'est mieux que les gens suivent la bande, là, ils seront bénis. Oui, c'est sûr, ils vont suivre la bande. Ouais. Et nous leur demandons de suivre la bande, la trace du serpent, pour mieux comprendre. Ouais. Parce que là, nous comprenons que Salomon avait dit que ce n'était pas facile de
trouver la trace du serpent sur le rocher. Ouais, ça le dépassait même malgré sa sagesse. Ça le dépassait, oui. Donc il a fallu une sagesse plus grande que celle de Salomon. C'est pourquoi les sept anges, pour le révéler, les sept anges ont quitté l'éternité. Dieu lui-même est descendu pour révéler ça. Oui. Dieu lui-même. Oui, donc là, en nous comprenant qu'en ces temps de la fin, nous avons reçu plus grand que Salomon. Amen. Le ministère de la pierre de fête dans l'homme. Il faut comprendre. Ouais. Ok. Cher pasteur. Oui, bien aimé. Vous avez parlé de votre résurrection. Oui. Dans votre ministère, dans l'église et tout. Exactement. Donc, nous voulons maintenant savoir combien de membres vous avez aujourd'hui. Ah, pour le moment, ici, dans le temple, quand on est passé par les difficultés, un autre ancien était venu ici. Il a dit aux frères que j'aimerais vous encadrer à Yoville. On attendait que les problèmes passent, mais quand il les a pris, ils avaient confiance en lui. Et c'est déjà une église. On ne regrette pas. Parce que Frère Banham dit dans Question et Réponse, si je vois tous les membres de mon église ici quitter, l'église c'est vide, je prierai que le Seigneur remplisse l'église de nouveau. Alors on a prié, le groupe qui était resté avec moi, qui me croyait toujours, priait chez moi à la maison, le pasteur Beckett de Cape Town, il est venu les conduire à prêcher, et il prêchait là pour les exhorter, il venait ici pour les encourager. Et le pasteur Kalumbu de Rigini, l'ancien là est resté ici pendant au moins 4 mois, et après ils ont loué une salle. On était là en dehors du bâtiment et après il y avait des, et même ils se sont embrouillés ici. Le pasteur Beckett avait dit que laissez-les, leurs motifs seront dévoilés, et tous leurs motifs étaient dévoilés. Ils voulaient de l'argent, ils voulaient le bâtiment, ils voulaient les biens. L'autre ancien là voulait acheter ça et tout. Mais tu vois, Dieu ne peut pas permettre une chose que quelqu'un d'autre a fait que vous puissiez venir le prendre. Non, on est resté calme et en 2011, miraculeusement, on est rentré par ici. On est rentré dans le bâtiment, on a restauré toutes choses. On était resté 20 et quelques membres. Quand moi-même j'ai repris, j'ai commencé à prêcher, je pense que je voulais même voyager, quitter cet pays. Mais le frère Billy Paul m'avait écrit une lettre qui m'avait beaucoup encouragé, que restez là, même si c'est la honte, comme restez là. Et je suis resté et les gens, mon église, c'est les brebis qui me croyaient, m'ont encouragé. J'ai prié et puis j'ai recommencé. Maintenant, on a commencé à évangéliser. On est une centaine maintenant ici. On est une centaine des Zimbabwéens, des Sud-Africains. Tu vois, je vous ai parlé même de mon bien-aimé ici qui est avec nous. Tu vois, et on continue à évangéliser. On est une centaine. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup qui sont au Canada ou aux États-Unis qui croient à mon ministère, malgré qu'ils sont loin. Ils sont plus nombreux, surtout à Kinshasa. Beaucoup de ceux qui nous envoient, qui nous soutiennent et tout ça, on continue. Le bâtiment est pour 1000 et quelques brebis. Parce que de tout le temps là d'Amen, avant les problèmes, on n'était que 203 membres. Tu vois? Mais on était resté 20 et quelques. On a évangélisé, on est une centaine. On continue là à entrer d'évangéliser, à travailler avec les bien-aimés. Et je pense que Dieu est en train de restaurer toutes choses. Parce qu'il a promis que je restaurerai toutes choses. Je vous remplacerai tout ce qu'on dévorait, les Gazam, les Asiles, le Gélec, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Dieu a promis la restauration et nous sommes là. Mais nous croyons réellement qu'il le fera. Exactement. S'il l'a fait auparavant, il va le faire. Ouais. Parce qu'il est le même hier aujourd'hui. Ouais, ouais. Pasteur. Ouais. Il y a eu un extrait audio qu'on vous attribue, ouais, qui circule sur Internet ou bon, dire sur WhatsApp, dans lequel vous dites qu'une guerre entre les vieux est une bonne chose. Ouais. Parlant de l'église, de la construction de l'église Zoé, Tabernacle à Kinshasa. Ouais. Pensez-vous qu'il y a guerre là à Kinshasa? Ah bon, on m'a appris sur ça là. J'étais parti à Kinshasa dans un voyage missionnaire et de là j'ai trouvé que Zoé avait commencé. Je voulais savoir leur motif. J'ai trouvé que les frères insultaient le pasteur Kayumbi, alors qu'avant ils le respectaient, certains frères. J'ai vu les frères de Zoé, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont même montré l'endroit. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'avais vu là, tu comprends, j'étais très étonné. Et je suis venu dans mon église, j'ai donné mon rapport. Et j'ai dit que la guerre là est structurelle, parce que c'est 50 ans. C'est dans chaque 50 ans dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption, il y a la trompette du jubilé qui doit sonner quelque part pour libérer les gens, pour rendre les gens free, pour leur donner leur liberté, leur freedom. Parce que dans le message, nous reprochons seulement que les gens ne croient pas, mais ajouter, les gens ont ajouté beaucoup d'ajouts, et ainsi de suite. Alors, j'ai dit là, oui, j'ai dit que Pharaon, c'est-à-dire Ramsès et Moïse étaient des amis, ils vivaient dans la même maison. Frère Branham, quand il a vu le film là, hein, Frère Branham a même rencontré Yul Brynner, qui avait tourné le film. Frère Branham a aimé ça. J'ai dit que la guerre là est bonne parce que, dans un bon sens, pas la guerre, c'est parce que c'est une guerre structurelle. Moi, je ne crois pas aux choses hasard. Je ne crois pas aux choses hasard. Okay.
C'est la 50e année que la trompette. Je ne crois pas aux choses hasard. Frère Branham dit ça, qu'il n'y a pas d'hasard. Voyez-vous, dans si les ailes d'une colombe. Donc, j'ai dit là que, regardez, parfois, c'est nous, quand un jeune commet une erreur, on l'éclabousse. Je pense que j'avais dit ça dans mon enseignement en Bougimaï. Que quand, n'attendez pas quand David va commettre l'erreur pour venir le tuer. Ils ont fait, tu vois. Mais ici, j'ai dit que c'est scripturaire parce que libre. L'autre, c'est un ancien. L'autre, c'est un ancien. D'accord? L'autre est l'ami de quelqu'un qui était ami de Dibiscor. L'autre, c'est ami de Caps. L'autre a l'argent. L'autre a l'argent. Personne ne dirait que tu es venu chercher l'argent. L'autre a de l'influence. L'autre a de l'influence. Voyez-vous ça? Donc, l'autre est international. L'autre est international. Bon, parfois, ils introduisent même les choses de coutume. Je dois être sincère et clair, c'est une émission, on doit être sincère. L'autre, Moulouba Moulouba. Donc, tu vois un peu ça. Donc, là, c'est une guerre structurelle. Mais okay. Moi, j'ai donné ma position, je suis libre, je soutiens ce que Zoé a fait là. Okay, c'est une guerre structurelle. C'est une guerre structurelle, mais il doit y avoir la communion. Mais ce qui m'avait étonné seulement dans ça, c'est l'esprit. Parce que j'ai été étonné. Tu vois, les gens commencent leurs églises partout. Mais quand l'autre aussi veut commencer, pourquoi vous criez? Laissez le frère. Et puis surtout là, c'est 50 ans, c'est pourquoi j'ai donné ma position là-dessus, que je soutiens ça. Et ça va aider, ça va aider. Tu sais, parfois, dans les grandes amitiés là, on ne peut pas montrer les positions. Voyez-vous, chacun va montrer leur position. Et, mais mon cher ami, n'avez-vous pas entendu ce qui se passe à qui? J'ai même appris ça dans votre site. Ça y est là, la guerre est là. Vous n'allez pas éviter ça. La guerre est là. Et c'est 50 ans, c'est une guerre scripturée. C'est la guerre de la libération. Dans chaque 5 ans, les sacrificateurs sonnaient la trompette. Mais dans ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de communion. Non, frère Banan nous a enseigné la communion. Que même si je ne suis pas d'accord avec un frère, mais si je ne peux pas mettre ma main sur lui, le considérer comme frère, je me sentirai que quelque chose ne marche pas avec moi. Je ne suis pas en ordre avec Dieu. La communion, là, mais il y a des guerres scripturées. La guerre est là. C'est comme ça que j'ai dit. C'est ce que j'avais dit là-dessus. Oh, ok. Maintenant, pasteur, maintenant, pourquoi pensez-vous que la guerre est bonne? Ouais. Alors que frère Branham, le prophète, dit que la communion et l'amour doivent toujours. Mais quand même, frère Branham dit la communion et l'amour. Frère Branham n'a pas dit que non, il n'y a pas de guerre scripturaire. Vous avez mal compris. Tout est guerre. Parce que regardez, quand une trompette est sonnée, ça annonce aussi une guerre. Quand le sceau est ouvert, ça annonce. Quand Paul a commencé à prêcher, c'était une guerre avec les pharisiens et les autres. Quand même Luther a protesté contre l'église catholique. Il a écrit les 95 thèses là, et les erreurs là, il a mis ça. C'était une guerre, voyez-vous. Mais c'était la réformation. Quand Wesley a commencé, les justes vivra par la sanctification, pardon. C'était une guerre. Quand les pentecôtistes sont venus avec les dons spirituels, c'était une guerre. Quand même William Branham a commencé à prêcher le baptême au nom de Jésus, c'était une guerre. Quand les sceaux sont ouverts, c'est une guerre. Je parle ici de guerre scripturaire. Et quand dans chaque génération il y a des guerres, il y a des guerres, tu vois, des guerres de la parole, des guerres de la compréhension. Et là, quand le révérend quitte Mbujimaï pour sonner la trompette de la libération, que le temps est arrivé, et à la 50e année, et ils ont pris la salle là dans le 7e rue, c'est le nombre, c'était là. Moi, je vois Dieu dans tout. Donc c'est la trompette, c'est une guerre scripturaire. Et mon frère, ne soyons pas hypocrites. Vous, à Kinshasa, vous n'entendez pas qu'il y a la guerre. C'est une guerre structurée. Ok. Ouais. Ouais, ça va. Merci beaucoup pour avoir éclairci sur ce point et d'avoir montré comment tout est guerre. Mais soyons équilibrés. Pas la guerre de combat, mais la guerre scripturaire. Structurée. Ok. Cher pasteur, maintenant dans le message ouais. de Frère Branham, nous avons les young people et les vieux. Ah oui. De quel côté se trouve le pasteur Sakola? Sakola se trouve du côté de William Branham. Frère Branham dit dans la prédication « Fils de David et pitié des moines » de 1961, il dit « J'aime être avec les vieux parce que quand je suis avec eux, ils vont me dire, me montrer comment ils ont eu leur expérience, comment ils ont escaladé, voyez-vous, des problèmes et des situations difficiles. » Il descend, il dit « Mais j'aime aussi être avec des jeunes parce que j'aime être avec eux parce que j'aimerais leur montrer le chemin, comment ils peuvent marcher. » Donc, je suis du côté de William Branham. Maintenant, quant à dire peut-être, en ce qui me concerne maintenant, je sais que quand on parle de young people, on voit ma personne. Parce que dans tous
au réveil, il y a un leader, il y a un pionnier. Young People était toujours là jusqu'en 2005, quand j'ai prêché sur le réveil des Young People, la nouvelle génération éprouvée. J'ai démontré que depuis que Frère Branham est parti jusqu'en 2005, ça fait 40 ans, c'est une génération, une nouvelle génération doit s'élever. Et Frère Branham avait dit que quand son message va arriver aux extrémités de la terre, le message n'est plus pur. Dieu va susciter les hommes de Dieu qui vont arracher la parole aux mains des anges déchus. Frère Branham, quand il parle sur les choses qui doivent arriver et beaucoup de choses, il dit que les jeunes gens viendront et ils prêcheront, ils prendront ces messages, ils vont les prêcher jusqu'à l'enlèvement. Même dans les COD, il dit que cette photo qui a été prise, les gens n'ont pas compris ça de son vivant. Il dit que mais après mon départ, les Young People prendront conscience de cette photo ici. Il dit que les prédicateurs là, il dit qu'ils donneront la vie et le sens à ces citations. Donc, j'ai démontré beaucoup de choses. J'avais invité le docteur Lisse, j'avais invité le frère Ngomat de Libreville, le pasteur Rosco, beaucoup des anciens étaient là. Et j'ai parlé de ça. Et depuis lors, le réveil des Young est parti, le réveil des Young People est parti. Et je sais que quand on parle de ça, on voit ma personne. Mais ce n'était pas un mouvement. C'est un réveil qui est là dans le message. Même, vous ne voyez pas que la même année, en 2005, Joseph Branham a commencé les Youth League de l'autre côté des États-Unis. Donc, je suis là, je suis du côté de Frère Branham. Je crois dans Joël 1 et Joël 2. Que enseignez ceci à vos enfants, que vos enfants disent à leurs enfants. Tu vois, ce sont des générations. Je crois au rassemblement de toutes les générations qui doit être rendu clair par la prophétie. Ça veut dire que les young et les vieux, nous nous rassemblons ensemble, mais la prophétie va établir chacun à sa place. La prophétie de Frère Branham. Les jeunes ont leur place, on ne peut pas les exclure. Les vieux aussi ont leur place, on ne peut pas les exclure. On a besoin des jeunes, on a besoin des vieux, on a besoin de travailler ensemble. Voyez-vous? Parce que même moi, pendant que je parle, je ne suis plus le même young là qui était petit en ce temps-là. J'ai grandi maintenant. Tu vois, demain aussi je deviendrai vieux. Ça dit, il y aura aussi les Yang. Ça dit, nous nous succédons. C'est ainsi. Frère Branham, quand il parlait de ça, ce n'était pas. D'abord, il y avait des gens qui étaient des Yang. Les Coulman sont devenus des anciens. Il y a eu des Yang. Et c'est comme ça que ça se passe. Je crois au rassemblement de toutes les générations, rendu clair par la prophétie. Et les jeunes et les vieux, nous travaillons ensemble. On se respecte. Mais nous disons ça pourquoi? Je suis dit, parce que, tu sais, quand David. David a tué ses 10 000. Quand les femmes ont chanté, c'est ce qui a créé des problèmes, non? Saoul, il a jalousie, non? Ça dure qu'il y a ici, il y a des choses. Regardez, permettez-moi de vous dire ça. Il y a deux erreurs, deux choses qu'on doit faire attention. Regardez. Pour les vieux, quand Dieu suscite un jeune, comme David est le modèle, Saoul, tu ne dois pas avoir la jalousie. Vous voyez, n'allez pas les tuer, chercher ses erreurs. J'avais été clair là-dessus en bougement. Ça, c'est l'esprit de Saoul. Les gens qui tombent dans la popularité. La popularité consiste, la popularité, ce n'est pas d'être connu. La popularité consiste, tu ne veux pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Tu veux seulement toi seul. Tu dis que c'est toi seul qui va aider les gens dans le monde entier. C'est pourquoi ils établissent des églises partout. Même ils n'ont pas le temps d'être là, que non, c'est eux seuls. Non, un seul ministère ne peut pas gagner l'église à la perfection. Et quand les jeunes sont suscités, l'église, c'est la femme. Quand l'église chante, ah, ça c'est merveilleux, ça amène la jalousie. Tu vois, les anciens ne doivent pas être comme ça. Ils doivent être des bons anciens. Les jeunes aussi, nous ne devons pas être mauvais, dans un mauvais côté, parce que regardez quand Salomon a péché. Il a fait l'idolâtrie, Dieu l'a même rejeté. Et le prophète a donné la prophétie, il a du soubien, il a déchiré son manteau. Les 10, il a donné ça à l'autre. Je pense que c'était Jéroboam, je pense. Voyez-vous? Et remarquez que le prophète avait dit que si tu agis comme mon serviteur David, David même quand il n'a pas mis la main sur Saoul, David a entendu son ton. Les jeunes aussi, tu vois, nous ne devons pas combattre les vieux, tu vois, nous devons travailler plutôt ensemble, parce que si tu es un jeune, comme je disais à d'autres frères, oh non, Dieu t'a, bon, mais si Dieu t'a suscité, sois comme David, non, attendez le temps de Dieu. C'est pourquoi David, même quand on l'a dit que Saoul est mort, il était fâché. Il a dit, mais qui t'a dit de mettre la main si loin de l'Éternel? Donc c'est ça, nous devons travailler ensemble. Donc c'est ça mon côté. Mais je sais que nous, Young People, c'est un réveil, et ça y est, là, c'est parti. Okay. Parce que Young People, c'est un réveil que personne n'arrêtera. Ça. C'est parti, ça ouvre beaucoup de gens, c'est parti pour du bon depuis 2005. Et de deux, c'est ça même la moissonneuse baptise. Mm-hmm.
Ok, donc ça continue des générations en générations. Génération. Et aussi, nous devons comprendre, nous ne devons pas trop séparer les young et les vieux. Dire que dans le message, il y a juste partie des young et partie des vieux. Non, ils travaillent ensemble, comme les pasteurs viennent de le dire. Yes. Le young people, c'est un réveil. Ça doit avoir dans le message, d'avoir avoir place dans le message. Et les vieux ont aussi leur place. Exactement. Depuis le temps de Jésus, mm-hmm. Pierre était un vieux, Jean était un young. Oui, ça c'est vrai. Mais quand même, il avait couru pour entrer, il a entendu que le vieux vient. Donc, on est ensemble. Le problème, c'est qu'on doit être ensemble. Ça, c'est vrai, pasteur. Oui. Non, pasteur, dans votre génération, ouais. Vous êtes le premier et le seul mm-hmm. à avoir prêché à Shekinah Tabernacle. Oui, bien sûr. Comment vous y êtes arrivé et quels souvenirs gardez-vous de votre passage là-bas? Et qu'avez-vous donné en reconnaissance de cette faveur à votre Dieu? Ah, là, une faveur? Ok, comment est-ce que je suis arrivé à prêcher à Shekinah? Quand j'ai commencé l'église en 2002, il y a les frères Zong à Kabea, que Dieu les bénisse, avec sa femme, la sœur Vicky, qui venait dans mon église, avait beaucoup apprécié mon ministère. Ils ont parlé ça au pasteur de Shekinah, et il est venu, on s'est rencontré dans la maison des frères Zong là-bas à Randburg, et on a parlé, et puis quand on lui avait appris que je suis marié à la fille du pasteur Mbombo, il m'a aimé, et puis les frères comme Paulin, que nous aimons beaucoup, Philippe et beaucoup d'autres frères lui parlaient aussi de mon ministère. Et il venait ici à Djobou. Je l'ai reçu, il a prêché, il nous a visité à Youville. Il a encouragé mon ministère, il a prêché là-bas à Youville. Et regarde d'abord, pas seulement lui. À même tabernacle, je recevais tous les anciens sans regarder sa doctrine ou sa tendance. J'ai reçu le pasteur Vibidi là ici, dans mon église. Il a bien prêché, nous l'aimons. Pasteur Kayumbi, il a bien prêché. Pasteur Baruti. Quand il venait ici, on parle, le recevoir même à l'aéroport avec toutes les honneurs, parce que c'était lui mon pasteur, tu vois. Kalumbu, tous les anciens se sentaient à l'aise à qui n'est pas venu amen. Quel est l'ancien? Tout le monde voulait amen, ils aimaient amen. Tu vois un peu là. On a reçu tous les vieux Ngondé, les passés Ngondé à Kwambenze, et tous les anciens du Congo, on les a reçus là. Donc, et à partir de là, comme il avait aimé mon ministère, et en 2016, il m'a invité dans sa convention, et il m'a cédé la chaire, j'ai prêché. Là-dessus, je sais que je suis le seul et l'unique de ma génération qui a prêché. C'était très merveilleux, mais ce n'est pas seulement lui. Amboujima est par exemple ce que le pasteur Kalumbi a fait pour moi. Une convention internationale du monde entier. Il m'a mis parmi les orateurs principaux et c'était merveilleux. Là-bas, Amboujima, ça dit Kalumbi, c'est quelqu'un qui a lancé mon ministère internationalement dans le monde entier. Et regardez même les commentaires que Vin avait mis sur mon ministère, qu'il avait dit sur mon ministère, que Zakola, c'est un diamant dans les diamants. Et à l'hôtel, Vin m'a dit qu'avec la manière, les dons que Dieu t'a donné, c'est merveilleux. Tu vois, tu es un bon enseignant, mais faites attention, il y aura beaucoup de jaloux. C'est comme si Vin d'ailleurs prophétisait. Hein? Tu vois un peu ça. Donc, je suis reconnaissant pour ça. Bon, quand tu me dis que, même avant là, moi j'ai eu la chance dans ma vie, mon frère, d'être toujours avec des vieux et de prêcher dans les grandes églises. À Rigini Tabernacle. Je suis monté à la chaire de Rigini, j'avais ses 21 ans. J'ai prêché tout le temps, j'ai donné beaucoup d'enseignements. J'étais à Rigini, par exemple. Tu vois, j'ai eu la chance, même dans les conventions. Depuis que j'ai commencé mon ministère, j'ai eu seulement la chance que beaucoup de vieux me donnaient beaucoup d'occasions. Ils voyaient au moins un bon ministère. Les pasteurs Bombongo Aboteka, les pasteurs Mboula, les pasteurs Mobonga, les pasteurs Zegbalek, les pasteurs Losia et beaucoup d'autres anciens. Vous voyez un peu là. Donc, même là à Shekinah, quand j'ai prêché, il m'a beaucoup aimé et puis on était très bien. Qu'est-ce que j'ai fait en retour? En retour, il est venu ici dans notre dédicace. Je l'ai honoré. Il a prêché deux fois. Je l'ai honoré, je l'ai présenté que c'est parmi les anciens. Voyez-vous, c'est parmi les anciens que le Congo a eu. Et il a fait un bon travail. Il avait fait un bon travail. Voyez-vous, je l'ai honoré. Tu vois, et puis, pas seulement ça, on l'a logé dans un hôtel, je ne sais pas comment vous dire, de 8 étoiles ou 7 étoiles. Ça, c'est son hôtel. Là où Mandela, les Bill Clinton et les autres dormaient, c'était par les canards de l'un de mes brebis qui travaillait là. Et le boss de cet hôtel-là m'avait dit que, pasteur, un jour tu peux avoir des chambres, venir passer le temps ici. Et comme c'était la convention, je l'ai logé là-bas, je l'ai honoré, je l'ai honoré en retour. Tu vois, et puis il avait prêché ici deux fois. Je suis reconnaissant
pour tout ce que les vieux ont fait pour mon ministère depuis que j'avais commencé. Que ce soit à Rigini, je prêchais toujours. Tu vois, j'avais 21 ans, on me laisse lâcher de prêcher comme je veux. Je suis reconnaissant. Reconnaissant à tous les anciens qui ont lancé mon ministère pour que les gens m'écoutent, qui m'écoutent. Je suis très reconnaissant. Et en retour, j'ai fait aussi beaucoup de choses pour eux, les honorer aussi, les mêmes honneurs. Je leur ai aussi donné ça. Voilà un peu. Oh, merci. C'est tellement très bien de le savoir que vous avez été reconnaissant alors à son égard. Ouais. En parlant des vieux, ouais. On peut se tourner d'abord au Congo. Ouais. Quelles sont vos relations avec les vieux du Congo? Les vieux du Congo. Vous vous retournez toujours au Congo alors que nous sommes en Afrique du Sud. Anyway, au Congo, parce que je suis congolais, je viens aussi là-bas. Je suis en bon terme avec les anciens du Congo. Je suis en bon terme avec le pasteur Kayumbi Béa, Léonard. Même dernièrement, les deux voyages, on était avec lui, on a parlé. Et même, je l'ai téléphoné. Même l'autre voyage, on était ensemble. À Kinla, on a passé des bons moments dans les restaurants, on a parlé. C'est mon vieux, que je le respecte beaucoup, parce que je suis aussi le pasteur de la famille. Tu vois, je suis en très bon terme avec lui. Je suis en bon terme avec le pasteur Kalumbu et les anciens de Rigini. On est en bon terme. Je suis en bon terme avec Mubonga. Je suis en bon terme avec le pasteur Gustave Munzeli, que vous connaissez. Et il était même venu, si je l'ai reçu. Je suis en bon terme avec les anciens comme les Kanangé qui voulaient me voir, qui voulaient m'amener à Chikapa. Je suis en bon terme avec les anciens du Congo. Il y a, les exceptions ne manquent pas. Je sais que Frère Branham aussi. Quand Roy Davis l'avait dessus, il a dit Roy Davis m'a fait beaucoup de mal, c'était une déception. Et il était avec d'autres anciens, Boswoff, et les anciens qui étaient dans les Riazouza là-bas. Et Frère Branham évoluait comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis bien en bon terme avec. Même l'autre premier voyage, le pasteur Amis, quand il m'a entendu que je suis à Kin, il m'a invité dans sa campagne. On a été avec le pasteur Vibidila, on s'est embrassé, on a bien parlé et tout ça. Donc je suis très bien avec. Moi, je respecte les anciens. Et je respecte les anciens, mais je pense que je dois respecter la parole plus que les anciens, parce que l'ancien des jours est venu dans la nuit, tu vois. Donc, je suis en bon terme avec les anciens, je les respecte beaucoup. Et ici même, j'ai beaucoup des anciens qu'on est en bon terme. Mais pour le Congo, il ne manque pas des exceptions. C'est ouais, normal, parce que l'exception confirme toujours la règle. Ouais, c'est vraiment bien de le savoir que vous êtes en bon terme avec les anciens du Congo, comme nous sommes retournés au Congo. Ouais, bien. Ok, sortons un peu le Congo, maintenant partons un peu dans le message en général. Ouais. Il y a un problème de Joseph Branham. Si je peux poser la question, qui est Joseph Branham pour vous? Ah bon, Joseph Branham. Joseph Branham, pour moi, et pour ceux qui vont nous suivre, et pour tout croyant du message, Joseph Branham, c'est un prophète. Il est prophète. Il est Branham dans la continuité. Voyez-vous, il est Branham dans la continuité. Vous comprenez? Ouais. Joseph Branham est le remplaçant de William Branham. Ouais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout ce que j'ai dit là, c'est Frère Branham qui l'a dit. Tapez dans vos ordinateurs, cherchez toutes les citations, vous trouverez ça. Il est né sous une prophétie. Frère Branham était à Indianapolis. Il lisait la Bible et il a aimé la vie de Joseph. Il a pleuré. Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Tu donneras le nom de Joseph. Il dit que je te donnerai un autre Joseph, confirmé par la colonne des fées. Et après, quand Médé a mis au monde, c'était Sarah, un pasteur, a dit que tu voulais dire Joséphine, Dieu l'a tué, vous connaissez l'histoire. Frère Branham dit, Joseph est mon fils de la promesse. Il est né sous une promesse. Il dit que c'est mon fils. Joseph est comme un fils promis pour Frère Branham. Regardez, il dit encore que le jour de sa consécration, quand on l'a amené, les esprits séducteurs, il y avait plusieurs enfants. Quand Frère Branham l'a tenu, il dit que Joseph, tu es prophète. Frère Branham va dire dans l'application de ces moments-là, et il dit que non. Il dit, ce n'est pas moi qui avais dit ça, c'est toi, Dieu, qui avait dit qu'il est prophète. Tu vois, ce n'est pas ici comme les gens le disent, l'amour d'un papa envers son fils. Non, c'est Dieu qui a dit que Joseph est prophète. Il dit que Joseph, il est né leader, Branham. C'est pourquoi ils ne s'attendent pas aux gens de sa génération. Voyez-vous? Et Frère Branham dit là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Et je sais aussi que là où nous pensons que les gens du message ont failli. Il dit que si je préférerais que vous parliez même en mal de moi, Branham, mais ne dites rien du mal sur mes enfants. Mais regarde ce que les frères font. Ils ne comprennent pas. Voyez-vous? Ils disent du mal des autres. Ils ne comprennent pas, ils ne croient pas toute la parole. Voyez-vous ça? Et Joseph, je crois que Joseph est Branham dans la compte. C'est le remplaçant de Frère Branham. Comment ça?
Dieu avait dit à frère Branham que tu vas faire deux choses. Tu vas magasiner la nourriture ici dans le quartier général, c'est-à-dire à Jeffersonville. C'est ça le quartier général. Au temps de la famine, tu te tiendras ici, toi Branham, au centre, tu vas distribuer la nourriture. Mais regardez, frère Branham a emmagasiné le 24 décembre, je pense que bientôt ici, il est rentré à la maison. Dieu ne peut pas faillir. C'est pour cela que frère Branham m'avait dit que, lisez ça avec le Bartimée, beaucoup de citations, et ainsi de suite. Il dit que Seigneur, je ne peux pas partir sans que tu me donnes un remplaçant. Et il dit que quand je m'en irai, mon esprit reviendra sur mon fils Joseph en double portion. Il prendra ma place et il brillera la lumière après mon départ. C'est pour cela, mes frères, la partie là, la deuxième partie, de distribuer, c'est Joseph qui l'a fait. C'est Branham dans la continuité. Frère Branham a fait la première partie, la deuxième partie, Joseph. Joseph a dit que je ne viendrai pas dans vos églises. La place, c'est de distribuer. Et regardez Joseph de la Bible. Personne ne pouvait distribuer le bloc sans passer par lui. Voyez-vous? Donc, c'est structurel. Joseph, adoption, à la fin là. Joseph, reste avec cette Bible ici quand papa partira. Peu importe qui sera contre toi. Mais le Dieu de ton père, lui sera pour toi. Ça dit, mon frère, si tu réponds avec Joseph, tu sais que si le Dieu de son père est derrière lui, qui est derrière toi? Si ça ne peut être que, ça ne peut être que Satan. Frère Branham dit, Joseph est le fils de ma vieillesse. Il dit ça, Joseph est le fils de ma vieillesse. Quand il a entendu, frère Branham de l'Ancien Testament, c'est Branham dans les derniers jours, H-A-M. Voyez-vous, il dit que comme Sarah et Abraham, ils attendaient Isaac, mais Ismaël est venu. Frère Branham dit dans le naturel, dans le physique, il attendait Joseph, mais Sarah est venue. Mais il dit que Joseph est venu. Regardez. Il dit quand Méda était grosse, il y avait des prophéties, Méda va mourir ou quoi que ce soit. Frère Branham est parti prier. La Bible s'est ouverte. Là où Dieu parlait à David pour le temple, que ce n'est pas toi qui construiras, mais un fils qui sortira de toi. Frère Branham a dit, Joseph. Lisez ça là, les œuvres sont les expressions de la foi. Joseph. Ça dit, Joseph est Salomon pour frère Branham. Frère Branham a dit que Joseph, mon esprit reviendra sur lui en double portion. Regarde, si nous prenons même trois là. Donc Joseph et Isaac pour frère Branham. Vous voyez, Joseph est Salomon pour frère Branham. Et Joseph est Élisée, double portion. Voyez-vous? Et regardez, celui qui s'opposait à Isaac ne peut être qu'Ismaël. Il faut semence. Celui qui s'est opposé à Salomon. Voyez-vous, c'était que, ils étaient morts. Les Joab sont morts. Joab avait beaucoup servi David. Hein? Mais quand il voulait s'opposer, même c'est Titi Joab. Voyez-vous? Donc, ne dis pas que je sers bien le message. Non. Ici, tu ne respectes pas les Salomon. Et regarde, il a conçu, regarde la voix de Dieu. Il a fait exactement comme Salomon. Tu vois ça déjà? Ça marche, mon frère, c'est clair. Et Joseph fait la double portion. Élisée, la double portion d'Élie. Parce que Dieu avait dit à Élie quoi? Avant que tu sois enlevé, lis ça dans les livres des rois. Tu oindras Azaël comme roi de la Syrie. Tu oindras Jéhu, roi d'Israël, tu viendras Élisée, prophète, à ta place. Mais regardez, Élie est parti. Élie est parti. Il a plutôt donné le manteau. Il a oint Élisée. Il a même intervenu l'ordre, prophète, à sa place. Et Élisée a pris la double portion. C'est ça, Joseph. Je sais que c'est l'église, mais c'est ça aussi, Joseph. Voyez-vous? Et de deux, Élisée est parti oindre un Yank. Un petit garçon qu'on ne connaît pas les noms. C'est ça le mystère de Yann. Et il a pris la corne d'huile pour aller oindre l'autre. Et puis, Élisée a oint l'autre roi. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est un problème très important. Parce que dans question-réponse numéro 3, frère Branham dit que si un jour il arrivera dans une épreuve entre m'aimer et aimer mes enfants, j'ai préféré que vous aimiez mes enfants. Les frères doivent croire toutes ces citations-là. C'est-à-dire s'opposer. Je regarde ce que je crois. Dans la première partie du ministère de frère Branham, quand quelqu'un s'oppose à frère Branham par rapport à la parole, ce n'est qu'un démon. C'est la rébellion de Dathan et de Corée qui consistait à s'opposer à l'autorité de Moïse. Maintenant, frère Branham est parti. De la même manière, s'opposer à Joseph quand il est dans sa position de distribuer la nourriture, le message, c'est le même esprit de Dathan et de Corée. Mes frères, ne jouez pas avec la vie éternelle. Ce sont des choses qui sont liées avec... J'ai entendu des gens dire que ça n'arrive. Non, c'est lié avec la vie éternelle. Regardez, quand on a remis la nourriture volée, mais Joseph m'avait écrit la lettre et dit que je suis content. Il a écrit à un autre frère, à un de mes diacres. Le diacre l'avait, est-ce que la position de notre pasteur est bonne? Il dit que non, ne brûlez pas. Non, nous ne croyons pas à brûler la brochure, mais remettez, c'est-à-dire que ça, c'est une bonne position de la parole.
Un frère servait bien frère Branham. Il distribuait les bandes. Mais quand il a trouvé, on a mis l'ordre là et la franchise. Lui, il a dit non, il commence à crier. Frère Branham a dit lui qu'on ne l'appellera plus frère. Et c'est l'ange qui avait dit à frère Branham. Donc, ne jouons pas avec ça. Et ici, Joseph, regarde comment il obéit à la parole. Il ne s'est pas levé parce qu'il est l'enfant de frère Branham. Il a vu qu'est-ce que frère Branham dit avant de traduire. Il faut aller voir celui qui a le droit d'auteur. Il est parti voir Sotman. Il n'a pas dit que Sotman lui a donné les droits d'auteur. C'est là où il continue. Et il fait son travail très bien. Joseph, frère Branham dit, Joseph est chef. Un chef reste un chef. Joseph est le leader de tous les Young. Il est notre chef. Donc, si les gens veulent prendre des précisions là-dessus, ils doivent demander, ils doivent plutôt être enseignés. Parce que c'est dangereux, les positions que les gens prennent sur ils ne connaissent pas. Nous ne le disons pas parce qu'il est l'enfant de frère Branham. Je sais qu'en tant que tous les enfants de frère Branham dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. N'est-ce pas ça? Mais pas seulement dans ce sens-là. Mais ici, c'est Dieu qui a parlé, qui a mis Joseph dans cette position-là. Et là-dessus, c'est comme je t'ai dit, mon frère, donc on ne joue pas là-dessus. C'est le remplaçant de frère Branham, c'est le chef, voyez-vous, c'est Branham dans la continuité, Joseph Branham. Voilà. Peu importe qui sera contre toi, Dieu de ton père, lui sera pour toi. J'aimerais me retrouver du bon côté, mon frère. Vraiment, merci. Voilà un peu. Et pas seulement ça, hein. J'ai une expérience personnelle avec le frère Joseph. Okay. Quand on construisait, à un certain moment, on était stack. Mais il a dit que ça va aller. Et à la dédicace de l'église, il a écrit la lettre. La lettre, elle a été lue ici. Il voulait venir. Il a dit que non. Pendant que moi, je vais préparer pour présenter la Bible, ce qu'au fil de là-bas, vous faites d'abord. Mais il a écrit que, qu'une bénédiction spéciale soit sur toi, le pasteur Zakola, d'avoir pensé à faire ce grand centenaire de ce grand prophète pour commémorer le grand don que Dieu nous a donné. Et qu'une bénédiction spéciale soit sur la main de tabernacle. Donc, parmi nous tous ici, j'ose croire, on estime qu'on peut avoir l'esprit de Branham, mais on n'est pas sûr. Mais la personne scripturaire dont frère Branham a dit que son esprit sera sur lui, c'est Joseph. Et Joseph nous a bénis. Maudit soit celui qui maudit celui que Dieu a béni. Ah, vraiment, là nous voyons clairement votre position sur Joseph. Vous le croyez réellement en tant que Branham dans la continuité. Continuité, c'est un prophète. La continuité de Malachi 4. Une bonne chose. Et là, maintenant, c'est une leçon pour les autres, pour leur dire que dans le message, quand vous ne connaissez pas quelque chose, ne vous engagez pas. C'est ne juste. Parlez pas trop. Renseignez-vous. Mm-hmm. Parce qu'il y a des têtes dans le message. Ok, pasteur, il y a un problème sur le 28 février. Mm-hmm. J'ai une question sur ce point-là. Ouais. Vous pensez que frère Branham n'était pas à la montagne le 28 février 1963? Ouais. D'où tirez-vous cette affirmation, cher pasteur? Ah bon, ça c'est trop long, c'est tout un enseignement à donner. Parce que je vois même les frères qui s'embrouillent beaucoup. Pour te dire la petite histoire de ça, je croyais toujours que frère Branham était le 28 février le même jour. Et la photo a été prise et lui il était là. Je prêchais ça jusqu'en 2007. Le frère Willy Retif, le pasteur, le révérend pasteur Willy Retif, le plus ancien de l'église de Boxbeck, qui avait reçu frère Branham ici, il nous a invité qu'il y a le beau-fils de frère Branham, George Smith, qui sera là, et nous sommes partis répondre à l'invitation, et on a salué les frères. Il a témoigné, et dans ce témoignage, il a dit que non, frère Branham n'était pas à la montagne le 28 février, c'était plutôt au mois de mars. Oh, ça m'a tiqué. J'ai dit, oh, comment ça? Alors, c'est là où j'ai commencé des recherches. Tout le temps, on fêtait le 28 février. J'ai dit qu'on doit sonder les Écritures parce que la parole ne peut pas se contredire. Quand j'ai commencé à sonder les Écritures, je me suis retrouvé que frère Branham lui-même n'a jamais dit qu'il était. Il n'a jamais parlé de la date du 28 février. Mais c'est la science qui a pris la photo. Et je sais que frère Branham, quand il a pris le journal, qui était à Paris le 17 mai, il avait vu cette date-là. J'ai commencé à sonder. Je suis tombé dans la citation. Que vous pouvez voir ça dans la brèche. Frère Branham, lisez là, frère Branham dit que, il dit là que, une semaine ou 10 jours, j'étais à la montagne. Donc, les 17 là, tu vois, ça tombe les 8 ou les 7. Oh. Et puis, le 7e saut, il dit que les témoins sont ici. Il y a de cela, il dit, il y a de cela, une semaine ou un peu plus, j'étais à la montagne. Tu vois, j'ai fait les calculs, ça tombe. Oh. Alors, quand je lisais frère Branham, j'ai continué à lire.
J'ai trouvé que la photo a été prise le soir. Mais frère Branham dit que j'ai rencontré les anges le matin. Il dit à 8 heures pendant que j'ai monté à la montagne. Or, j'ai dit que mais quelque chose ne marche pas. Par les prières, c'est là où j'ai commencé vraiment des grandes recherches. Et la première preuve, j'ai écrit. Et puis à Frère Smith, il va m'envoyer. Il m'a dit que non. Il m'a dit non, bien aimé, comme nous sommes dans mon bureau. Il m'a dit non. La sœur Rebecca avait déjà expliqué cette histoire-là au 1990 dans Only Believe. De 1990. Rebecca avait mis toutes les dates ici, regardez. La chronologie, Rebecca a mis ça. La vision du 23 décembre, les 30 frères Branham a prêché sur Michel Seller. Les 4, ils sont arrivés à Tucson. Et Sabino Cagno, l'épée entre ses mains. L'épée du roi, c'était le 11. Et puis la photo a été prise le 28 février. Et le 4 mars, frère Branham était à Houston pour prêcher dans les sites auditoriums à Houston, à Texas, quand il était parti sauver ses enfants-là. Et puis le 6, frère Branham est parti à la chasse. Et le 8, c'est là où la déflagration, il a rencontré les anges. Et le 17, la photo a été le 17 au 24. Il est rentré pour prêcher sur les sceaux. Et puis, le 17 mai, c'est là où la photo est sortie. Ah, dans la science. Donc, j'ai lu ça. Rebecca, c'est la fille de Frère Branham. J'ai lu ça, j'ai dit, bon, je vais maintenant voir les citations. J'ai commencé à rassembler certaines citations de Frère Branham là-dessus. Et je me suis retrouvé, chaque fois quand Frère Branham parlait de ça, il dit, quand je suis parti, je voulais aller à la chasse. On m'a dit que les enfants-là, de la personne qui m'avait insulté au sujet de la photo, ces enfants devaient être condamnés dans la chaise électrique, condamnés à mort. Frère Branham dit que si je ne pars pas les sauver, ce ne serait pas une bonne chose. Frère Branham est parti d'abord à Houston. Il est parti à la cour. Il a intervenu pour eux. Il y avait plus de sentences pour qu'ils soient condamnés à mort. Même les hommes là, des hommes de l'humanité ont donné à Frère Branham un Oscar d'avoir sauvé des vies. Et il a prêché. Les quatre là sur l'absolu. Voyez-vous? Dans l'absolu là, il ne parle pas de la nuée. Il dit plutôt que je voulais aller à la chasse, mais je suis venu ici. Et en retournant, regarde déjà les quatre. Le 4 mars, Frère Branham n'a pas encore rencontré les anges. Vous voyez? Voyez-vous? Donc, maître Frère Branham, le 28, c'est contre parce que le 4 mars, c'est déjà. Lisez absolu du 4 mars à Houston. Quand il est revenu, il a roulé toute la nuit. Billy Paul a continué à Jefferson Ville. C'est le 6 que lui, le frère Sautman, et le frère de Norman, Rebecca donne même la couleur de la voiture. Ils étaient partis avec la Jeep des frères Sautman. Ils sont partis à la chasse. Et le 7, frère Branham a tué son javelina, comme il est dit. Et le matin, comme il voulait monter à la montagne pour voir s'il verra les troupeaux, pour qu'il puisse les chasser, il puisse les pousser de l'autre côté pour que le frère Sautman tue et puisse aussi tuer son javelina. C'est là où, quand il a levé les gratterons par rapport à la vision qu'il avait des messieurs qu'il a prêché, messieurs qu'elle est retenue. C'est là où la déflagration a eu lieu. Il a été enlevé et élevé. Il est entré dans cette constellation. Et la voix a dit que rentre de Jeffersonville, les sceaux seront ouverts. D'abord, le 4 mars, Frère Branham n'est pas encore à la montagne. Voyez-vous? Donc, à partir de tous ces éléments-là, j'ai compris que quelque chose, on a mal compris. On a plutôt mal compris. Et la première fois, quand la photo est sortie, le 17 mai, Frère Branham ne savait pas qu'ils avaient pris la photo. C'est quand il était venu prendre le frère Jenner Norman pour aller à l'église. Frère Jenner Norman a montré, regarde la photo ici. Frère Branham a dit, je peux avoir une copie. Il n'a rien dit. Et la première fois que Frère Branham a parlé de la nuée, de la photo, c'est, si j'ai une bonne mémoire, c'est le 1er juin, devant les enfants. Il a prêché, viens et suis-moi pour le diplôme. Les enfants, vous devez avoir leur diplôme. Il dit que, regarde, lisez ça. Il dit que quand j'ai regardé la photo, cela était prise 2 jours avant ou 2 jours après. C'est-à-dire que Frère Branham n'avait pas la précision. Frère Branham n'a jamais dit qu'il était là. Tu vois déjà. Et j'ai continué mes recherches. Frère Sautman m'a envoyé son témoignage. J'ai ça ici dans le DVD. Frère Sautman, j'ai demandé. Frère Jenner Norman m'a envoyé son témoignage. Avant qu'il puisse mourir, il m'a envoyé ça. Et le docteur Lival aussi, quelques jours avant qu'il puisse mourir, il est monté à la chaise pour dire ces problèmes-là. C'est nous qui étions en retard. Ces problèmes-là ont commencé il y a longtemps. Frère Lival montre que les gens avaient mal compris. Quand ils sont partis après le départ de Frère Branham, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de chasse. Ils ont dit que Frère Branham avait menti. Beaucoup de gens ont quitté le message. C'est nous qui étions en retard. C'est un problème de longtemps. Or, ils sont incrédules. Ils voulaient trouver les erreurs. Voyez-vous? Mais la réalité est là. C'est-à-dire que Frère Branham, et après, quand j'ai continué mes recherches, quand j'ai trouvé la date que c'était le 8 mars, j'ai voulu faire comparer ma révélation avec les anciens. J'ai appelé le pasteur Beckett, qui m'avait ordonné dans les ministères. C'est lui qui va me reconnaître. Il dit que non, mon fils, ce que tu dis là est vrai.
C'est-à-dire qu'il y a le frère Owen Jorgensen qui a déjà fait des recherches là-dessus. Les frères avaient mis l'argent. Il m'a envoyé le livre ici, le pasteur Beckett. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Le frère est parti même jusque dans le département de pêche et chasse de Tucson. Il s'est rencontré avec Melissa Swain. Il a dit que la saison de chasse de cette année-là, 63, c'était du 1er au 10 mars. Donc, frère Branham ne peut pas être là avant. Ce n'est pas comme chez nous au Congo. Si tu veux aller arriver à la chasse, c'est comme ici en Afrique du Sud, comme frère Branham était venu sur 65. Vous payez l'argent dans les départements et vous allez à la chasse. Et avec mes frères qu'on était avec eux et mes brebis, on s'est réjouis quand on a reçu les livres ici avec mes bien-aimés frères. Et ça, c'est encore un deuxième témoignage. Et avec tous les DVD que les autres avaient envoyés, Dr. Lee Weil, Sautman lui-même, le témoin, Jenny Norman lui-même, Lival à qui frère Branham avait dit qu'il va lui donner toutes ces choses pour écrire et exposer. J'ai compris que c'était parce que frère Branham dit que c'était suffisant, parce que frère Branham dit dans Honte de lui que les aigles viendront par les cassettes, les bandes, c'est-à-dire les bandes, voyez-vous, par les prédications, ce que nous prêchons, et par les témoignages. Mais si un témoignage est contraire à la parole, on ne doit pas prendre. Mais si ça marche avec les écritures et avec les citations que je viens de te donner ici, c'est là où c'était clair pour moi. Et en 2012, l'année passée déjà, j'ai fait une convention ici, j'ai invité les gens, j'ai prêché là-dessus, que frère Branham, la photo de la nuée était bel et bien prise le 28 février le soir par les hommes des siens. Ce n'est pas un frère qui a pris ça. Frère Branham ne le savait pas. Et le 17 mai, ça c'est à Paris. Mais frère Branham est venu rencontrer les anges, la déflagration, c'est le 8 mars à 8 heures. Parce que, tu vois, là déjà, ça marche avec la parole. Dieu, avant de faire quelque chose sur la terre, il le montre premièrement d'abord au ciel. C'est le signe du Fils de l'homme qui est à Paris. Mais le Fils de l'homme se manifeste sur la terre. Branham dit, c'est les sept tonnerres pris en photo. Mais les sept tonnerres grondent sur la terre. Et regardez, c'est le 8. Parce que 8, c'est le nombre de l'éternité. C'est les anges venaient de l'éternité. Ça, c'est le message de l'éternité. Demeure future, c'est le 8e jour que nous entrons là. Dans un jour éternel, une sainte convocation. Et dans l'Ancien Testament, quand un enfant était né, c'est le 8e jour qu'on devait les circoncis. Et Branham dit qu'à l'ouverture des sceaux, toute la parole doit naître. Ça, c'est la naissance de la parole. C'est pourquoi frère Branham, il est venu avoir sa circoncision le 8e jour. C'est scripturaire parce que 8, c'est 2-0. C'est l'infini. L'épouse et l'époux se marient, mariage de l'agneau. Ça devient très clair. Le problème, c'est qu'on avait mal compris certains langages du prophète, les langages paraboliques du prophète. Tu vois, frère Branham, maintenant, quand il les a rencontrés, les 8 mois, il les a vus partir. C'est là qu'il a dit que les mêmes anges que j'avais rencontrés, c'est les mêmes qui ont été pris par la photo. Et des années plus tard, quand il commence à parler, il parle de ça comme le même jour. Un frère a donné ce témoignage-là. Frère Branham a raconté sa mère aujourd'hui. Après une semaine, il a fait le discernement. Après une semaine, il a prié pour lui, il a été guéri. Mais quand frère Branham raconte, il dit comme si le même jour, tu vois, c'est un langage prophétique. Voyez-vous, le message ne peut pas se contredire. Maître frère Branham là-bas, le 28 février, d'abord c'est contraire. Frère Branham n'était pas quelqu'un qui détruise, qui n'obéissait pas à la loi. Frère Branham respectait les lois. Et il va entrer là-bas comment? Parce que là-bas, il faut qu'on paye pour que la saison ouvre. Donc, c'est clair. Les problèmes que nous avons, c'est que les gens n'aiment pas corriger. Et les gens n'aiment aussi, quand un frère soulève un point qui est contradictoire, que tous les années, les messages, on progresse. On peut rester dans une chose pendant des années. C'est pourquoi vous voyez quand le temps de Dieu arrive, après 40 ans, 2005, et 2012, c'était 49 ans. Et cette année, c'est 50 ans. Dieu commence à ouvrir ça pour que ça soit clair. Le problème, c'est que les frères n'aiment pas corriger. Il faut corriger. Nous ne connaissons pas tout. Mettez une virgule. Mais les frères, ce sont même... Ils insultaient les autres défendent. Non, non, non. Ici, on ne corrige pas, frère Branham. C'est lui l'absolu, c'est clair. Et nous ne croyons pas parce que ce sont des témoignages ou de quoi que ce soit, mais nous croyons à ça parce que des citations sont là. Qu'est-ce que vous allez faire le 4 mars, frère Branham à Houston? Vous dites qu'il était là-bas. C'est contraire. Il dit que quand je quitte, je pars à la chasse. Voyez-vous, les témoins oculaires disent la même chose. Les citations, la brèche. Il y a une semaine ou 10 jours, je venais d'être là-bas, à Montagne. Tu vois un peu ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, je crois que la photo a été bel et bien prise le 28 février, le soir. Ça a fait 28 minutes. Quand le 7e soir était ouvert, il y a une d'environ. Ça, c'est pour notre 28 minutes ici, pour notre temps ici dans le temps. Mais pour l'éternité, c'est un autre mystère. Voyez-vous? Donc, le 8 mars, frère Branham a raconté les anges. C'est scripturaire.
Et depuis lors, on est dans ça. J'ai aimé quand les frères ont commencé à s'embrouiller ici au début. Il y a même frère Joseph avait écrit dans l'autre lettre là. Il a écrit que non, bon, même si nous savons que c'est un événement surnaturel, même si on ne connaît pas la date, ça peut arriver même que ce n'était pas le 28 février que frère Branham était là. Mais nous savons que la promesse est accomplie, tout ça. Tu comprends un peu ça? Mais les autres frères n'avaient pas bien saisi la lettre de Joseph. Et regarde, j'ai aimé. La dernière fois, le pasteur Lys est venu, je suis parti le voir, je lui ai parlé de ça. Il a dit non, pasteur Zakola. Il y a même un frère du Cameroun qui est tenté de faire un livre là-dessus, le frère Akounou. C'est le docteur Lys qui m'a appris ça, j'ai dit ça c'est une bonne chose. Et maintenant, ce que j'ai aimé, c'est que tu vois, comme c'est le temps de Dieu, depuis l'année passée. Tu vois, Joseph Branham lui-même, il vient de faire sortir les caches de vision de 2013, tu vois. Tu vois, quand il met tous les événements pour l'année de jubilé ici, il dit... Tu vois, Brother Branham was intrigued, tu vois. Ça dit pour la montagne, la chasse là, c'est au début du mois de mars. Au début du mois de mars, tu vois. Donc, frère Branham n'était pas à la montagne le 28 février. Que les frères corrigent, nous avançons. Et puis, frère, le problème, frère Branham dit que ne faites pas comme les gens de Laodicée, d'exposer. Quand un frère soulève un point, au lieu d'écouter pour apprendre, il cherche à contredire. Non. Et regardez dans la prédication... la prédication, Dieu mal compris. Frère Branham dit, on peut mal comprendre aussi une chose. Voyez-vous? Mais quand la révélation est donnée, la clarté est là, il faut avancer. Et Frère Branham interdit. Il ne faut pas se précipiter à essayer de parler d'une chose que toi-même, tu n'as pas compris. Tu n'as pas bien maîtrisé. Certains frères, ils n'ont pas bien maîtrisé. Ils parlent ou quoi que ce soit. Ils pensent qu'ils défendent Frère Branham. Non, nous, il faut défendre la vérité. Donc, dans ça... C'est ce que je crois. La photo a été bel et bien prise le 28 février, le soir. Et Frère Branham, après qu'il a quitté Houston, il a sauvé ses enfants-là. Le 5, il est arrivé la nuit. Le 6, ils sont partis à la chasse. Le 7, il a tué son javelina. Et le 8, le matin à 8 heures, c'est là où il y a eu la déflagration. Et puis les 9, ils ont emballé leur tente. Ils sont sortis, ils ont pris des caravanes avec beaucoup de frères. Ils sont partis à Jeffersonville. C'était parti, tu vois un peu ça. Quand ils sont arrivés là-bas, les 17, ils commencent les enseignements sur le saut. Lui-même le dit là que je viens d'être à la montagne il y a une semaine ou 10 jours. Okay. Et après, il ne le savait pas, les 17, mais quand la photo est sortie, il a trouvé ça chez le frère Jenner Norman. Et il est venu lui parler de ça la première fois. Le premier jeune vient ici, moi. Il dit que 2 jours avant ou 2 jours après. Tu vois, c'est clair. Donc, le 28 février, la photo a été prise. Mais lui, Branham, a raconté les anges 8 jours après. Il attendait là. Ouais, donc, comme je le disais là, bien aimé, pour ceux qui vont nous suivre, le temps de Dieu est là pour corriger et avancer. Le 28 février, la photo avait bel et bien été prise, mais Frère Branham n'était pas à la montagne. C'est 8 jours après. C'est le 8 mars à 8 heures que Frère Branham a raconté les anges. Il a été élevé dans cette constellation. Et la voix lui a dit, rentre à Jeffersonville, les seaux seront ouverts. Le temps de Dieu est arrivé depuis l'année passée et cette année, parce que 49 ans et 50 ans, c'est l'année de jubilé, c'est le temps de Dieu. Même ici, partout, après qu'on a parlé de ça. Le pasteur George Martin, c'est un ancien, il vient de corriger ça. Il a bien parlé de ça dans son église. Le pasteur Beckett, dernièrement, j'étais à Kinshasa. Le pasteur Loko a organisé une convention, j'ai exposé là-dessus. Je l'ai expliqué. Le pasteur Mobonga, je lui ai parlé de ça au téléphone. Je lui ai envoyé des documents et des preuves. Il a corrigé ça dans son église. Le pasteur Monzeli Gustave, ce sont des grands de ces messages au Congo. Il était ici, on lui a parlé de ça. Donc, quand le temps de Dieu arrive, nous avançons au fur et à mesure que la parole avance, parce que c'est 50 ans. Voilà un peu. Donc, même au Cameroun, comme le pasteur Lys m'a dit, le pasteur là à Kounou, il fait sortir un livre là-bas. Donc, c'est le temps de Dieu. Et puis, j'ai aimé parce que Joseph Branham est venu mettre le sceau final. Joseph Branham est venu mettre le sceau final là-dessus. Donc, il faut qu'on avance. Et voilà un peu, mon frère, ce que je crois là-dessus. Merci. Voilà. Ok, merci beaucoup, très cher pasteur, d'avoir éclairci sur le point de 28 février qui a fait couler d'encre, vraiment. Et ce que j'ai pu comprendre là-dessus, c'est que, ce que je peux aussi dire aux internautes qui nous suivent, la révélation évolue. Ouais. C'est vrai, les bases, nous avons eu les bases sur le 28 février, que peut-être le frère Branham était là-bas. Mais je crois, s'il y a une nouvelle révélation qui vient... Condamne pas, juste suis, lis, étudie. Ouais. Tu comprendras. Parce que Frère Branham a dit plus de 100 fois dans sa bouche, étudiez ces messages. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Nous devons réellement étudier. Ouais. Ok. Cher pasteur, il y a aussi un autre point. Oui, bien aimé. Dans ce message qui nous pose un peu problème, c'est sur tous par la mort.
Ah, ce que nous appelons chez nous en Mbujima et là-bas Kakasu. Kakasu, ouais, en Mbujima on l'appelle Kakasu. Ouais. Maintenant, tous par la mort est d'actualité pour le moment. Ouais. Qui dit que tout homme doit passer par la mort. Mm-hmm. Et vous, vous êtes de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis-là. À ma petite connaissance, je ne suis pas de cet avis-là. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai étudié ça par la prière, par les citations. Même en passant ici, l'un des ténors, tu vois, de cette doctrine-là, un pasteur que je respecte beaucoup, il est à Kinshasa, il a un très bon esprit. Même dernièrement, j'ai prêché beaucoup dans son église. Il m'avait dit de parler sur le pape, tu vois. François est-il le pape qui devait venir devant nous en temps des nôtres? Il a fait sortir beaucoup de livres là-dessus. Je pense qu'on avait même eu un débat avec lui. Des partages. Chez le pasteur Lys, on a appelé le pasteur Lys comme arbitre. Dans la résidence du pasteur Lys, on a parlé depuis le soir jusqu'au matin. Il a exposé, moi j'ai exposé, il m'avait dit qu'il va étudier ça. Bon, c'est respect, on est très bien. Moi personnellement, ma petite connaissance, je ne crois pas ça. Je crois que l'enlèvement c'est un âge. En 63, on est entré dans l'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement qui a 50 ans maintenant. Mais je ne crois pas que tous doivent passer par la mort, tu vois. Parce que frère Branham, par exemple, frère, beaucoup de gens se réfèrent de ça. Après l'enlèvement, frère Branham a prêché les choses qui doivent arriver. Parce que là, les choses qui doivent arriver, frère Branham parle de la mort. Voyez-vous, ainsi de suite. Mais si vous lisez là dans paragraphe 23, vous allez voir que frère Branham donne deux possibilités. Il dit que dans quelques temps, pendant que nous sommes ici, peut-être certaines gènes, il peut y avoir qu'ils vont mourir par la mort. Il dit que, ou encore, d'autre part, il se peut que dans 5 minutes que l'enlèvement s'efface, nous soyons de l'autre côté. Donc vous voyez déjà là, frère Branham donne soit la mort, soit la disparition. Et quand je lis frère Branham, par exemple, prenez la prédication « Les soins incertains » de 1960, paragraphe 229. Frère Branham dit que, on disait la mort est certaine. Non, la mort n'est pas certaine, en effet. Il pourrait avoir un enlèvement. Il dit alors, il n'y a pas de mort. La mort n'est pas certaine, non pas dans ces jours ici. Il était il y a bien des années. Voyez-vous ce que Frère Branham dit? Il dit que, mais pas maintenant. La mort n'est pas certaine. Il dit que, voyez-vous pourquoi? Enoch, il donne le type de nom. Enoch qui était enlevé. Et qui est, tu vois, un type délégué de ces jours ici. Même d'en rendre un service à Dieu, en dehors de sa volonté. Prenez 205 là, et lisez toutes ces choses là. Depuis le frère Branham dit, je désire voir l'air où je verrai tous ces vieux corps transformés, changés. Frère Branham regrettait, il dit que chaque fois quand je viens, je trouve que tel frère est parti, tel frère est mort. Il dit que, mais je désire voir les jours quand je serai changé en un instant, en un clin d'œil. Il dit que si ce n'est pas ainsi, alors nous sommes les gens les plus insensés. Il dit alors, mangez, buvez, réjouissez-vous, parce que demain vous mourrez, voyez-vous, c'est juste comme un animal. Mais il dit que non, votre âme est immortelle. Ça dit que frère Branham, tu vois, les frères doivent bien lire et étudier la chose profondément. Parce que tous par la mort, non. Il y a, frère Branham parle des termes, par exemple, portée disparue. Prenez question réponse numéro 1. Prenez le départ secret et soudain de l'église. Il parle de portée disparue. Voyez-vous, prenez beaucoup de citations. Frère Branham parle de portée disparue, qu'il n'y aura pas de traces. Tu vois, l'enlèvement, c'est une disparition. Troisième saut, il dit ça. Dieu se cache, il dit ça. Question-réponse, numéro 1, 50. Tu vois un peu ça. Il parle de portée disparue. Donc, regardez même les types que Frère Branham donne. Enoch était le septième, le type de l'enlèvement. Enoch, on n'a pas vu son corps étendu là. Non. Il a été enlevé, il a changé de dimension. Mais je crois que Noé n'était pas parti au ciel. Parce que dans tout l'Ancien Testament, les sang des boucs et des taureaux ne pouvaient pas les amener à la présence. Enoch, son enlèvement consistait à aller au paradis. Même Élisée l'a vu. Il a jeté ses mains. Tu vois un peu ça. On n'a pas vu le corps d'Élie là, ils ont pleuré. Non. Tu vois. Élie est parti au paradis. Je crois ça que Jésus est venu les prendre pour les amener à la sixième dimension. Voyez-vous, je crois ça. Tu vois un peu ça. Frère Branham, quand il parle de l'enlèvement, il parle de portée disparue. Je crois qu'un jour, il y aura la disparition. Je crois qu'à la fin de cet âge, un groupe de gens seront portés disparus. Mais dans ça, je ne dis pas que ces corps ici seront enlevés. Parce que ces corps ici, c'est la semence du serpent. Okay. C'est né par le sexe, ça ne rute pas. Mais qu'est-ce qui va se passer quand, bon, les frères s'accrochent parfois. Tu vois, quand Frère Branham dit, on pose à Frère Branham la question. Ouais. Explique-nous les mystères de la translation. Il dit, c'est un changement. Ces corps est voué à la mort et mourra. Les frères ont mal compris. Regardez. Il dit que ce changement-là, nous redeviendrons des gens et nous serons enlevés comme Enoch. C'est le même processus. Les types ne trompent pas. Regardez. Ici, vous allez comprendre que dans ça, ce n'est pas un corps qui doit mourir. Parce que quand Frère Branham a dit là que ce corps est voué à la mort mourra, les frères n'ont pas compris. Frère Branham parle le moment comme étant la nouvelle naissance. Le mot mort comme étant un saint qui s'endort.
les mots morts comme étant la séparation éternelle avec Dieu. Les mots morts comme étant une mort spirituelle. Il parle aussi de les mots morts comme étant la translation. Oui, la mort veut dire séparation. Nous jetterons ces corps de chair. Mais ce serait sans trace. Il n'y aura pas de trace. Voyez-vous? Donc, c'est ce que moi je crois, il y aura une disparition. J'ai toujours prié, j'ai des amis, beaucoup des amis qui croient ça. J'ai dit, je prierai pour vous. Un jour, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que ça anéantit tout. Ça anéantit tout. Donc, mais je respecte les frères, j'ai beaucoup d'amis, comme j'ai dit, même l'autre là qui tient ça beaucoup, et on est vraiment en bon terme avec lui. Mais je sais qu'ils sont en erreur, j'avais dit que vous êtes en erreur. Moi, je ne crois pas que tous doivent mourir, je ne crois pas à Kakassou, comme on dit chez nous en Bougimane. Je crois qu'il y aura une disparition de l'épouse. À la fin, il y aura des gens qui vont disparaître, porter disparu. C'est que nous jeterons ce corps de chair, voyez-vous, ce serait un changement rapide. Une mort rapide, pas la mort, on est tenté de pleurer. Il y a même un pasteur qui croyait à ça. Et sa femme est morte, on était parti l'enterrer ici, excusez-moi. Et après, il pleurait, je lui dis que c'est ce que tu appelles enlèvement. Il a eu matière à réflexion et après, il a changé ça. Donc, c'est ce que moi, je crois. Je crois qu'il y aura la disparition de l'épouse. Ok, bon, pasteur, on essaie un peu de comprendre. Et sur le point, là, vous avez essayé d'expliquer comment Frère Branham parle des morts. Hein. Ouais. La mort qui est la disparition, la mort qui est la nouvelle naissance. Non, mort comme translation. Mort comme nouvelle naissance, mort comme un saint qui s'endorme, là on pleure, on parle enterré. Ouais. Mort comme séparation éternelle avec Dieu. Mais quand les frères mélangent toutes ces définitions-là, ils ne comprennent pas. Ouais, c'est... Il faut mettre chaque chose à sa place. À sa place. Ouais. Comme aussi être, en jetant ce manteau de chair. Ouais. C'est aussi une mort. Bien sûr. Ouais, donc, si parce que la mort veut dire séparer. Une séparation. Parce qu'on va se séparer de ce corps de chair qui est né par le péché, qui est né par le sexe, par les moyens d'un homme et d'une femme. Un nouveau corps qui vient par la parole que nous mangeons. Et c'est ça ce changement-là. Donc si j'étais ce manteau de chair est une mort aussi, vous ne voudrez pas que les gens qui disent que tous parlent la mort, là, c'est qu'ils parlent aussi de... Des différentes morts là. Pasteur. Non, ils ne savent pas différencier ça. Tu vois, ils ne savent pas. Les doctrines sont des termes. Ils ne savent pas différencier ça. Parce que, et pour eux, c'est que tout le monde doit mourir. On parle enterrer, on pleure, on chante et tout. Non. Okay. Ça, c'est une autre. Ça, c'est pas juste. C'est pas correct. Ils ont manqué quelque chose. Je sais que l'enlèvement, c'est l'âge-là à commencer, tout ça. Et il y a d'autres qui passent par la mort, on pleure. Il y aura un groupe de gens qui vont disparaître. C'est Frère Branham qui dit le terme porter disparu. Il n'y aura même pas de traces. Okay. Tu vois, c'est ça la translation. Et la translation, nous avons un type, un modèle de ça. Abraham et Sarah, c'est pourquoi on a vu Elohim dans la chair humaine. Tu vois, pour notre les changements. Jésus a dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre. Regardez, qu'est-ce que Jésus a caché quand il parle au temps de Noé? Noé n'est pas le type d'enlèvement. Il cachait le mystère de Noc. Qu'est-ce qu'il a caché quand il parle autant de l'autre? Il cache le mystère d'Abraham. C'est quoi le mystère? Nous serons changés comme Abraham et Sarah. Et enfin, nous allons être enlevés. Quitter ces dimensions, aller dans l'autre dimension, la plus rapide. Changement des dimensions. Okay. Ouais. Et il n'y aura pas de traces dans ça. Je crois qu'il y aura ça. Oh, merci beaucoup, pasteur. Et sur cette question, la façon dont vous avez répondu, ouais, ça a suscité une autre question que je me permets d'ajouter. Mm-hmm. C'est que la plupart des gens qui ne croient pas réellement à la seconde venue, ils disent que quand le Seigneur doit venir, la translation doit se faire. Et maintenant, comment est-ce que vous expliquez cela? Parce que le Seigneur est venu. Il est venu comme vous le croyez. Maintenant, la translation qui doit être faite, comment est-ce que vous pouvez éclaircir pour ceux-là qui doivent suivre? Non, mais la translation, tout c'est un processus. Tous ces choses-là sont des processus. Même la venue du Seigneur que tu dis là. Il y a des frères qui pensent que la nuée, c'est le corps de chair. C'est pas scripturaire, parce qu'Apocalypse a accompli de nouveau le 17-30. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais c'est un processus, voyez-vous. Tout est processus, la venue du Seigneur, le Seigneur qui descend, il n'y a pas de descente. Même la descente, ce n'est pas un mouvement de haut en bas. Dans Dieu dévoilé, frère, même la descente, c'est Dieu qui est amorphé. Il change de forme. C'est ça, nous l'avons vu descendre, voyez-vous. Donc, et c'est le processus de la disparition totale. Et cette translation est déjà en nous. Par la nouvelle naissance. Nous n'attendons pas la translation. C'est déjà en nous. Cet processus-là qui consiste par les changements intérieurs, ça va amener les changements extérieurs. Nous jetterons ces manteaux de chair et nous irons dans la gloire, dans l'autre dimension. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup de l'avoir. Mais si les frères veulent bien comprendre ces choses-là, ils doivent prendre les bandes. Ici, on ne peut pas tout parler à l'émission. Oui, ça c'est vrai, ça se voit. Ouais, bien aimé. Et très cher pasteur, nous avons réellement apprécié votre façon de parler et expliquer le problème qui nous. Peut-être poser des problèmes aux gens qui écoutaient ce que vous prêchiez, ce que vous croyez. Merci de vous avoir expliqué. Parce que Dieu nous a appelés pour enseigner la parole. Amen, je le crois aussi.
aussi. Je dois rester dans mon appel, quoi, par la grâce de Dieu. Ok, pasteur, c'est que je peux dire comme la dernière question, pasteur. Ouais. Dans votre temple, le temple, comme c'est la résurrection, vous étiez en dehors, vous êtes rentré. Ouais. Et pour le moment, tout va bien dans votre temple ou bien parce qu'il y a des rumeurs qui peuvent dire que vous avez encore des problèmes là-bas? Ouais, nous avons des petits problèmes, frère. Nous voulons que les frères prient pour nous, les frères qui vont suivre, même nous soutenir. La banque est venue évaluer ces bâtiments ici. À 7 millions, ça a amené beaucoup de convoitises. Et il y a aussi des anciens qui tueraient les ficelles là-dessus. Et même il y a un frère, mon frère, il y a des frères qui voulaient vendre cet endroit. Un frère là, il est mort, ils ont fait l'accident, il est mort. Les gens ne voient pas Dieu là-dessus, ils ne voient pas que c'est la main de Dieu. C'est-à-dire les gens n'ont pas compris que le temple n'a rien à faire avec Frère Zako. Ça, c'est pour le centenaire de Frère Bano. On a dédicacé ça. C'est un endroit sacré. Même un Jésus, il ne priait plus dans le temple, voyez-vous. Il ne priait plus dans le temple. Mais quand il a vu que les gens voulaient faire de ça un endroit de business, il a pris les fouets, il les a fouettés. C'est la première fois que Jésus a été diacre. Si tous les frères pouvaient faire ça, ce serait une bonne chose. On a un petit problème dans M. Kalombo. Il veut seulement que moi, je lui donne encore un autre 100 000 $ cash. C'est pourquoi quand vous entrez là, vous avez vu la grande maison là. On n'a pas encore récupéré ça. Bon, on est là, mais même pendant que nous parlons ici, il est parti coopérer à la banque pour que la banque puisse mettre la parcelle à auction. En auction, le 23 ici, priez pour nous, pour ceux qui vont suivre. Je n'ai pas ces 100 000 $ là ici pour lui donner cash. Bon, on n'a pas de choix. On a investi pour Dieu ici. Nous prions que Dieu fasse vraiment quelque chose. Le problème de la parcelle ici, c'est beaucoup de combats, mon frère. C'est beaucoup de combats parce que c'est la première église construite à Johannesburg. Là, frère Banam était venu, tu vois. Et dans ça, là, tu vois, même les frères, ils avaient amené des policiers. Quand ils disaient que moi, je suis un étranger, ils ont utilisé des policiers. Et tout ça, ils m'ont injecté même un produit. J'ai vu là par la foi. Ils voulaient que je meure. Ils voulaient m'empoisonner pour que je meure. Mais j'ai vu là par la foi. Donc, je veux que les frères prient pour nous. Nous cherchons encore les 100 000 $ là. Et pendant que nous parlons, ils ont encore provoqué une chose. Il est parti pour que la banque puisse mettre ça auction. Mais nous prions, tu vois, ce sont les gens de mauvaise foi. Parce que nous voulons que ceci reste. Ça, c'est ça les Congolais. Les Congolais ne croient pas à leur héros. Voyez-vous? Donc, si même un jour nous ne serons pas là, ce temple servira que les gens puissent prier Dieu ici. C'est même, ce temple est la fierté des Congolais. Ouais. Ouais, ce temple est la fierté des Congolais, qu'on se le dise. Nous avons essayé de faire quelque chose, ça devait être notre... Mais la jalousie, tu vois un peu ça. Prier pour nous, ce sont les difficultés. Nous cherchons les 100 000 $ là, on n'a pas de choix. On veut notre temple, nous sommes dans le temps. On va payer pour qu'on récupère une partie de la parcelle. Et nous voulons que tout le monde prie pour nous. Parce que le 23, là, on ne sait pas ce qui va nous arriver avec tous ceux qui vont. Mais j'ai aussi appris que d'autres pasteurs, toujours des anciens, qui le poussent à ça, ainsi de suite. Mais nous, nous comptons sur Dieu et nous sommes là. Voilà un peu les petites difficultés que nous avons ici. Oh, ok, merci d'avoir un peu expliqué sur vos problèmes, c'est sûr. Ouais. Dieu va faire quelque chose parce que vous le croyez. Effectivement. La façon dont vous l'avez servi, je crois qu'il peut faire quelque chose pour vous. Il va le faire, pas pour moi, parce que ceci est le seul temple dans le monde qui a honoré les centenaires de Frère Banam. Ouais. Beaucoup de gens ont eu des millions de l'argent dans les messages de Frère Banam, mais ils n'ont pas pu faire ça. Nous, on a fait ça pour honorer le Frère Banam, le temple. Parce que l'homme est le temple. Nous, on a voulu l'honorer. Et le retour de la colonne de feu qui est le créateur de toutes choses. Dieu va faire quelque chose. Amen, je le crois. Ouais. Pasteur, en vous entendant parler, vous êtes trop profond dans la parole. Vous expliquez vraiment. Vous ne faites que ce qui est pour la parole de Dieu, c'est qui est sûr. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous pensez des Gospel Cross? Moi, j'aime des choses profondes. Parce que quand Dieu a montré à Frère Banam la vision, quand il est tenté de pécher, pour attraper les poissons multiples. Ce sont des frétins, des petits brebis là, des frétins. Frère, des frétins que vous pouvez les attraper avec le premier poule ou le deuxième poule. Mais il dit que le premier et le deuxième, cela a échoué. Les guérisons et les autres, nous croyons à la guérison ou au don là. Mais le troisième poule, ce sont des choses profondes. Le poisson arc-en-ciel, l'épouse, on ne peut l'attraper que par des choses profondes. Et Daniel avait dit qu'en ce temps-là, la connaissance augmentera. C'est pourquoi on doit être profond. Tu vois, on doit être profond. Le message de Frère Banam, c'est toute une encyclopédie. Ce sont des choses profondes. C'est le volume du rouleau. Il y a la longueur, il y a la largeur, il y a la hauteur, il y a la profondeur. C'est pourquoi nous aimons les gens qui sont profonds et nous voulons être profonds dans le message. Au milieu de notre connaissance, bien aimé. Nous, on ne connaît pas tout le paix que nous connaissons par la grâce de Dieu. Maintenant, pour Gospel. En tout cas, je profite de cette occasion. J'aime beaucoup Gospel Cross. Je sais que le frère va m'excuser parce que le frère Zoshen lui-même, Richard, parce qu'il est l'ami de l'une de mes brebis, David Kayumbi. Et quand il avait commencé ça au début, il m'avait appelé. Mais tu vois, je ne pouvais pas vraiment trop participer. Je suis venu en retard, mais c'était le premier qu'il avait appelé parce que j'étais busy. On voulait restaurer l'église ici, c'est pourquoi on n'avait pas le temps. On voulait quand même redonner
hein, la face là d'amen de la restauration. Alors c'est pourquoi je ne participais pas, qui m'excuse pour ça, mais je pense que Gospel Cross fait du bon boulot, du bon travail. C'est vraiment une liberté de parler, chacun parle de ses convictions, et je vois qu'il n'a pas de problème de doctrine là. Il appelle tout le monde pour parler. J'apprécie ce qu'il fait, et nous prions que Dieu puisse leur bénir richement et que Gospel Cross puisse aller beaucoup de l'avant. Et si Dieu nous bénit encore comme autrefois, on ne manquera pas à soutenir ça financièrement. Nous apprécions vraiment le travail que Gospel Cross fait. Nous voulons que vous venez toujours, même poser des questions, même aux pasteurs anglophones, même par exemple mon frère qui est ici, qui est le colonel, le frère David. Tu vois, vous pouvez lui poser des questions en anglais et vous allez, que ça puisse aller de l'avant et ça puisse bénir le monde. Nous voulons que ça soit prospère. Nous aimons beaucoup le travail que Gospel Cross fait. Et je salue le frère Richard lui-même, Zoshen, que Dieu le bénisse richement avec tous ceux qui travaillent avec lui. Nous aimons beaucoup Gospel Cross. Amen, amen. Merci beaucoup de votre affection pour Gospel. Ouais. Ça nous touche vraiment. Mm. Et pour vous dire, c'est que Gospel, comme vous l'avez dit, on n'a pas problème des doctrines. On invite tout le monde à ses convictions. Ouais. Tu parles tout ce que tu penses. Tout ce que vous pensez, c'est l'univers du message. Merci nous beaucoup. Nous le croyons vraiment. Ouais. Et pasteur, oui, bien-aimé. Quel est votre mot de la fin? Ah, le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, premièrement, je vous remercie. Je remercie notre bien-aimé frère de Gospel Cross qui est venu dans mon bureau. Vous êtes venu me voir dans mon bureau ici, dans le temple. Je vous remercie abondamment. Frère Branham dit, ce qu'un homme pense de vous, il l'exprime par ses actes. L'acte là a prouvé que vous êtes venu me chercher. Tu vois, c'est une bonne chose. Et le mot de la fin, je dirais aux frères et aux sœurs qui vont suivre, nous sommes à la fin des temps. Il y a des choses qui arrivent. Ces deux années ici, 2012 et 2013, c'était des années prophétiques. C'est 50 ans, nous terminons l'année des jubilés dans quelques jours. Préparons-nous pour le départ qui est imminent. Je pense que nous avons vu ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le dernier ange envoyé à Sodome. Je viens de le prêcher il y a deux semaines, ça a béni beaucoup les gens. Billy Graham, ce qu'il a dit, il a fait le dernier appel, le dernier espoir pour l'Amérique. Dans cette année 2013, qui est l'année 13, parce qu'après Dieu s'arrête à 2000 ans, 13 c'est le chiffre de la femme, c'est l'année de l'Église. C'est aussi l'année des États-Unis. Les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. C'est pourquoi le pape, quand il était parti là-bas, tout est 13 et il est arrivé le 13-13, le pape Paul VI. C'est l'année où il y a eu même les changements des papes. Suivez les enseignements que nous avons donnés là-dessus. François était le pape qui devait venir devant nous, on attendait notre. Parce que le nom Giorgio Mario Bergoglio a été prononcé par la bouche de Frère Branham, mais sous forme de symbole, sous forme des initiales. Quand il a parlé de Jérusalem, la lune, Moon, en anglais. Et puis, blackout. Donc, on a parlé de beaucoup de choses qui a béni les enfants de Dieu. Donc, maintenant, c'est question de nous préparer sérieusement. C'est si elle, le cycle, parce que dans chaque 50 ans, dans l'histoire du plan de blé de la rédemption, depuis l'Ancien Testament, même quand Frère Branham avait montré que 77, c'est l'année de la fin là, parce qu'il avait vu que c'est la 70e année des jubilés. Vous pouvez les lire dans 70e semaine de Daniel. Et vous allez voir que quand Jésus, de Jésus, jusqu'à ce que Paul rencontre la colonne de feu. L'an zéro, Paul a rencontré l'an 50, c'est 50 ans. Même Jésus, quand il est mort à la croix, après 50 jours, c'est là où la Pentecôte est descendue. Même, c'est comme ça au cours des âges. Chaque temps, Dieu visite les gens. C'était tombé en Russie, ils ont rejeté, ils sont devenus des communistes. C'était tombé, la même Pentecôte, en Turquie, Branham, ils sont devenus des musulmans. C'était tombé dans les riz Azusa. En 1906, ils ont réussi, ils ont béni, ils ont été bénis, le pentecôtisme. En 56, c'était leur clôture. Et il y a eu un espace de 7 ans. En 63, nous avons commencé notre jubilé de l'épouse. Et cette année, c'est 50 ans. C'est une grande année dans l'histoire de ce message. Et tu vas voir comme on avait dit, on avait enseigné beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup des anciens sont rentrés à la maison et des pères et beaucoup de choses. Les frères Sautman, les frères Jenny Norman, le révérend Coleman, le révérend Lival et beaucoup de gens, même ici en Afrique. Donc c'est une année spéciale. Et regarde avec ce que la NASA a dit, ce qui va arriver avec les tétrades. Là, on va prêcher ça l'année prochaine. Suivez ça aussi. Et on vient de prêcher quelque chose le 15. On était dans les days ici, sur Mandela dans la prophétie. Qu'un neurone ne meurt pas. Je pense que si les gens suivent ça, ce serait une très, très bonne chose. Parce que des prophéties s'accomplissent. Bientôt ici, nous serons à la gloire. Préparons-nous. Frère Branham dit que l'épouse a la vie éternelle avant même la nouvelle naissance. L'épouse ne reçoit pas la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle parce que Ève était en Adam. L'épouse a la vie éternelle. Nous l'avons déjà. Personne ne peut nous faire perdre la vie éternelle. Nous ne les recevons même pas quand nous croyons ce message. Mais c'est seulement la nouvelle naissance
qui ouvre notre vie éternelle qui est en nous. Donc, préparons-nous sérieusement, gardons l'amour dans nos cœurs les uns envers les autres et restons dans le message, restons dans la ligne et marchons dans l'amour, même si on ne croit pas la même chose, qu'on puisse garder l'amour dans nos cœurs. Et les mots de la fin, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui vont suivre ça. Priez beaucoup pour nous ici, Amen Tabernacle, au nom d'Amen Tabernacle Church et au nom de mon épouse Meda Mbombo, Zakola, au nom de ma fille Claude, au nom de ma fille Giderdi et au nom de mon fils Joseph, je vous remercie et je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Et s'il y a quelque chose que j'ai dit, si cela ne vous a pas plu ou vous trouvez que je ne connais pas, pardonnez-moi, priez pour moi et que Dieu puisse nous donner une meilleure compréhension. Mais on a répondu au mieux de notre connaissance. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, 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 amen. Et c'est aussi très merveilleux de voir l'humilité dans le pasteur Zakola. Il n'y a pas. On comprend que c'est un homme humble. Et c'est vraiment très bien. Merci de nous avoir reçus dans notre bureau, cher pasteur. C'est à moi de vous remercier parce que vous êtes venu là. Amen. Merci beaucoup et au plaisir de vous voir dans votre bureau. L'humilité, l'humilité.